bonsoir à toutes et à tous les amis et bienvenue dans La Cuisine. Aujourd'hui, je reçois un chef italien venu donner un cours, Denis Ambroisi. Merci d'être là. Ciao ragazzi, buonasera. Franchement, il vient avec de l'énergie, là vous le voyez, il envoie et tout ça, il m'a épuisé. L'émission n'a pas commencé, je suis chaos technique. Aujourd'hui, c'est moi, le commis. On commence cette émission, bien entendu, en remerciant notre partenaire Tefal, qui nous fournit du super matériel et qui sponsorise cette émission, avec laquelle on va pouvoir vous faire rêver. On les remercie beaucoup. N'oubliez pas que dans le chat, pendant la soirée, vous allez avoir une question qui vous sera posée et vous pourrez tenter de remporter un set de... le set Ingénio, avec les fameuses poêles kit amovibles. Ça va sur le feu, ça va au four, ça va au frigo, c'est génial. Un hachoir, 5 secondes. Exactement. Magnifique. J'adore. Et je crois aussi que vous avez une moins 20% sur une sélection de produits à partir de maintenant jusqu'à la fin. Ils sont gentils. Ils s'est vu, c'est pas mal. Hein. Et la mienne pour la maison, c'est où? C'est celle-là. C'est la tienne. J'ai la marque avec moi après. On s'arrangera avec la production. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand cours de cuisine italienne, je crois que c'est le propos. Non, tu m'as dit japonais. On est mal alors. Ah mince. On est mal parce que j'ai des... Ok. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le gars, je lui dis, tu peux ramener un petit peu de... Guanciale, la joue de porc. Moi, je voulais amener le cochon en entier pour expliquer comment... C'est pas la même émission. Il est venu avec du grain de padano fabuleux, vous allez voir. Plein de produits. Il est venu du restaurant, littéralement. T'as amené ça de tes restos. Écoute, je sors du resto. J'espère que je suis pas trop sale pour vous à la maison. Nickel, t'es parfait. Oh, parfait, magnifique. Tout va très bien. Alors, c'est toi qui fais le menu. C'est toi qui dirige aujourd'hui. Tu es le chef. Ça marche. Ici, dans cette cuisine. Je fais pas ça souvent, je t'avoue. Ok. En général, mes invités, ils savent pas vraiment en cuisiner. Là, c'est moi qui mène le jeu. Là, c'est toi qui mène le jeu. J'adore ça. Donc, j'ai l'autorisation de ma femme. On peut faire ce qu'on veut. Décide. Fais gaffe. On doit garder nos vêtements. J'aime bien, moi. T'aimes bien les petits. Voilà, on rappelle bien entendu qu'on est vacciné, testé, tout ce qu'il faut, on est bien. Il y a 30 minutes. Voilà, vous avez vu cet accent. Vous avez vu cet accent, Noémie, tu entends cet accent? C'est chantant, ça sent le basilic. Ciao, Noémie. Voilà, c'est pas ciao, que lui. Ciao, bellissima. C'est pas que lui, il y a aussi, okay. il y a tout ce qu'il faut, on est bien. Qu'est-ce qu'on fait alors? Pour t'amener en Italie chez moi, ouais. On peut commencer en fait, ouais. Ensemble, à faire des pâtes fraîches. Ah, génial. Et avec la même recette, on va montrer à la maison qu'on peut faire plein de pâtes fraîches différentes. D'accord, trop et bien. Et après, j'ai mis déjà une casserole à chauffer, tu vois, j'ai pris un peu d'avance, mais pas beaucoup d'avance. Non, juste mise en place des... Et je vois qu'il y a des produits infinis ici, exactement. On peut faire 5 ou 6 recettes différentes. J'adore. En plus, on a du temps apparemment. On a totalement le temps. Basiquement, il faudrait qu'on arrête, qu'on commence à montrer et à manger à 22h15. Donc, tu vois. Ah bah, parfait. On a 1h45. Exactement. Ok, donc on prend les œufs, on commence à prendre la farine. Vas-y, on y va. Œufs et farine. Œufs, farine. Et tiens, ici, j'avais vu qu'il y avait des ramequins assez jolis, transparents. Ouais. Vas-y, serre-toi. Parfait. Donc, pour faire des pâtes fraîches, ouais. Il nous faut tout simplement de la farine et des œufs. Ok. Donc, jusqu'à là, c'est pas trop compliqué. Jusque-là, c'est simple. Et c'est des produits qu'on trouve partout. Ok. Farine 00. Exactement, au T45. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est la 00? Exactement, alors la 00, c'est la façon d'avoir une épaisseur des farines qui est différente. Donc d'accord. Plus on a des zéros, plus on va sur une finesse des farines qui est différente. D'accord. Donc moins de force, moins d'élasticité. Parfois, nous, il nous faut en fait une farine qui puisse tenir les stress qu'on va lui donner maintenant. Parce qu'on va quand même faire la pâte, on va la laisser reposer un petit peu, on va l'étaler aussi. D'accord. Tu peux mélanger aussi avec d'autres types de farines, c'est la question qu'on me pose souvent. Quand on veut faire par exemple du sans gluten, c'est possible, okay. Mais c'est beaucoup plus technique et plus compliqué. Sans gluten, tu travaillerais quoi avec de la farine, farine de riz, farine de maïs, okay. Farine de châtaigne, ça marche bien. Mais du coup, t'as pas le gluten, pour créer le réseau, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est très liquide à travailler, c'est très compliqué à travailler. Tout est possible. Mais nous, on fait classique, mais si vous voulez vous amuser sous les couleurs, sous les goûts, vous pouvez mélanger farine 00, donc toujours 50% de la recette qu'on va faire doit être toujours 00. Exactement. Et l'autre partie, on peut mettre châtaigne, sarrasin, on peut mettre n'importe quel type de farine pour lui donner intégrale, aux céréales, pour donner un goût et une couleur différente. Une saveur, une couleur différente, très bien. Donc là, on va faire deux recettes côte à côte. Vas-y, t'as peut-être pas pris la bonne balance. Ouais, c'est pas grave. On rappelle qu'on est chez, chez les amis de 750 grammes contre du matos qui marche pas. Mais... Non, mais on n'a pas c'est dit. C'est très nous. Bien comme voilà. Ça. Tu vois, on s'adapte, c'est ça. Voilà, parfait. Elle est déjà zéro en plus, bon. Magnifique. Voilà. Donc, on va faire deux recettes. Je suis en PLS, donc, les gars. Non, 200 grammes de farine, tu pèses. Vas-y. Là, et 200 grammes de farine aussi ici. Comme ça, on aura 400 grammes de farine. Et on va faire la technique maman et la technique moderne. Okay. D'accord. Est-ce que tu t'es choisi laquelle?
Tu veux faire laquelle? La technique maman. Toi, tu... Donc, c'est soit la maman s'appelle Thibault à la maison. Voilà. Ah, mais le gros con. Bah, je suis pas en train de peser là. Donc, en fait. 200? Tiens. Si. Ouais, mais non, mais là, oui. Ah, là, oui. Mais là, là non. Non, mais c'est bien quand même. Et tu l'as gardé en plus. Bah, tu sais, mais je le faisais en. Je le en mode. Au... J'ai fait la même hauteur, quoi. Je fais beaucoup au feeling. Comme quand tu l'empiles les verres. Je suis fils de boulanger, moi, la farine. Mais non, mais. Ça me connaît. Tu t'y connais. Alors. Voilà. En plus, vous avez acheté les œufs frais, magnifiques. C'est ce qu'il faut. Et alors, la méthode maman, que ça sert à toi, toi tu veux bosser à gauche ou à droite? Tu veux laisser ta gauche? Je vais être là. Ouais, parfait. Et toi, t'es là. Je te laisse là alors. Regarde, ça, tu peux la mettre ici parce qu'on va l'utiliser. On va s'en servir. La méthode maman, c'est sous la table de travail et tu vas faire un puits au milieu. Vas-y. D'accord, tu peux y aller. Et moi, je fais la méthode moderne, la méthode où on ne se salit pas trop. Qu'est-ce que tu veux dire? Je viens de comprendre ce qui se passe. Alors, pour la... Non, mais ça va. Est-ce que tu peux toucher autre chose là? Tu vois? Ouais, attends, elle est belle ta veste. Elle est noire avec ça. Elle est bien ta veste. Alors, la recette à la maison. Pour une personne, il faut un œuf, 100 grammes de farine, 1 euros. 100 grammes de farine, 1 œuf. 100 grammes de farine, 1 œuf. Deux personnes. 200 grammes de farine, 2 œufs. Ok. Deux personnes comme toi et moi, c'est 200 grammes de farine, 200 grammes de farine. Voilà, c'est clair, non? Ça me va. C'était clair. Tu peux élargir un peu plus avec un peu plus encore. Voilà, courageux comme ça, parfait. De toute façon, tu sais, la cuisine, c'est juste une histoire de confiance. Tu le savais, ça ou pas? De faire? Non, ouais, vas-y, si dis-moi comment tu vois ça. Si t'as la confiance en toi, ouais, tu peux tout faire. Ben, voilà. Je vais avoir la confiance. Si tu n'as pas la confiance en toi, c'est plus compliqué. Tu vas galérer. Exactement. Alors, attends, tu peux, on n'a pas commencé encore. Vous avez vu comment il casse les œufs? Cette espèce de technique du mec qui casse des œufs contre des œufs? Voilà, faites ça chez vous, au-dessus d'un bol. Hein. Et voilà, après, c'est... Ouais, faites ça au-dessus d'un bol. Alors, c'est qu'on va faire. Je vais légèrement saler tes œufs et aussi les miennes, d'accord? Pas beaucoup, tu vois, tu te prends cette sel. Tu peux mettre aussi une petite cuillère à café d'huile extra vierge d'olive. Ok. On peut le faire. Est-ce qu'on le fait ou pas? Ouais, je veux bien, mais Vas-y. Alors, on fait comme ça. Toi, tu le fais. Et moi aussi. Okay. Très bien. Et ça va amener un peu plus des parfums, un peu plus des... Ça va amener... Mais du coup, ça va pas jouer sur l'élasticité, tout ça? Non, pas dans cette quantité-là. Non, en fait. Exactement. Si tu en mets beaucoup plus, oui, mais okay. Sinon, pas de panique. Alors, maintenant, tu vas mélanger au milieu les œufs. Tu vas commencer à les casser juste au milieu et tu commences à ramasser toute la farine qui est autour. Avec la fourchette ou au avec la fourchette, oui. C'est mieux, comme ça, tu salis encore moins les mains. J'amène comme Fais ça. Fais attention à pas faire échapper les blancs d'œufs. Ah, bah voilà, mais tu pourras pas le tenir longtemps, mais à un moment donné. Comme et moi, de mon côté, regarde, je mélange juste les œufs, la farine et tout ça. Comme ça? Vas-y, dis-moi. C'est très bien comme ça. Et petit à petit, tu amènes. Les plans de travail, il est super en plus ici. non, mais c'est vrai, je l'aime bien parce qu'il est assez solide. De moi. Non. Tu trouves qu'il est solide? Ah, oui, c'est ça, on est d'accord. Ouais. Le plan de travail est mal fixé, il bouge. Pour le savoir, toute la planche bouge. Attends, c'est en train de se casser. Non, c'est bien. Et plus ça casse, et plus tu mélanges. Moi, j'ai commencé avec la fourchette exprès. Comme ça, j'ai les doigts propres. Donc, ça, c'est la méthode moderne. Vous pouvez aussi utiliser un robot à la maison. Hein. Ouais, maintenant, il y a des robots. Avec le crochet pétrisseur. Voilà, tu connais. Des marques différentes, on va pas dire maintenant dans les marques. Non, celle du groupe Tefal, c'est bien. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. On a gagné des points pour Tefal. Voilà, alors vas-y, attends. Maintenant, regarde, moi aussi, pareil, j'ai la pâte qui commence à être déjà sableuse, homogène, sableuse. Et maintenant, j'y commence à aller avec mes mains. Ok, et donc, je fais pareil là? Exactement, tu peux aller déjà pareil. Tu vas t'essayer un peu plus les mains parce que ça va être un peu plus collante. Récupère ce qui reste, tu laisses sur la fourchette. Bien sûr, pardonne-moi. On ne jette rien. Totalement. On récupère tout. Et donc, ça, c'est une recette des pâtes. On peut l'utiliser pour faire n'importe quelle pâte. Des tagliatelles, des tagliolini, les farfalles, les ravioli. On peut tout faire avec. Alors là, à côté, j'ai mis une grosse casserole d'eau. Il faut savoir qu'il y a une astuce pour la maison. Vas-y, dis-moi. Une astuce que tout le monde peut adopter, qui est hyper facile. C'est la règle 1-10-100. Tu la connais? Non, vas-y, dis-moi. Alors, pour 1 litre d'eau, on peut cuire 100 grammes de pâtes. Ah oui, c'est ça. Avec 10 grammes de sel. Ok, très bien. T'es sûr que t'as compris? Oui, totalement. Okay. 10 grammes de sel pour 1 litre d'eau, ça c'est ce que je répète. Okay. Non-stop. Et si je dois cuire 1 kilo de pâtes alors du coup? Eh bah, ben 10 litres. 10 litres c'est quoi? 10 litres d'eau et 100 grammes de. C'est bon ça! Tu vois? Eh, les maths c'est ton fort alors. Non. C'est bien. Non, mais les pâtes. Alors attends, montre-moi le geste après. Parce que là j'ai un peu amalgamé, mais je pense que j'y suis pas. Si, t'inquiète. Là pareil, tu peux y aller. Franco. Tu essaies de mélanger un maximum, tu essaies de faire. Tu ramasses en fait. Et du coup, tu ramasses sur le côté et tu presses, c'est ça? Tu presses et essaies de travailler aussi beaucoup avec la paume de la main. Tu écrases avec la paume et tu. Voilà. Et déjà là, on commence à voir tu vois, une pâte qui commence à être homogène. Mais n'hésite pas
à la écraser, à la presser un peu. Et donc, c'est ça, en fait, le stress qu'on crée avec les pâtes fraîches, tu vois. Et okay. C'est pour ça qu'ensuite, on va la laisser reposer. En fait, toutes les pâtes que tu fais, que ce soit une pâte brisée, okay. une pâte à croissant, une pâte à pizza, une pâte à pâte fraîche, okay. il faut un temps de repos. Et ça, c'est important. Temps de repos qui est équivalent à combien, à peu Alors, près Alors, normalement, on dit toujours temps de temps de travail, temps de repos. Ok, très bien. Ça, c'est une première astuce. Sinon, tu peux mettre une heure, une journée, une nuit. Moi, par exemple, je la mets sous vide la nuit. Et le lendemain, elle est encore meilleure parce qu'on a une couleur qui est très pétillante, tu okay, vois, okay. très jeune. Alors, c'est quoi ton plat de pâte préféré? Amatriciana, j'aime bien. Ah, d'accord. Mais je ne sais pas bien le dire. Ok, je ne sais okay. pas bien. Alors, tu m'excuseras, mon accent italien est pourri. Non. Je suis espagnol, donc j'essaie de ne pas rouler les R. En serio, tu es espagnol? Si, si, claro. Pourquoi tu es espagnol? Parce que mon papa est de Barcelone. Ah, entonces, esta noche, ça c'est. Il est fort. El costo de cocina en espagnol. Non, lo podemos hacer. Non, on fait un bisou à tous les espagnols. Exactement. Et à, tous les, à toute la langue espagnole, en plus, hein, si on peut l'appeler comme ça, exactement. Du monde. Les hispanophones du monde. C'est assez chouette. Alors, j'aime autant vous dire, les amis, que okay. si vous avez envie de vous défouler le soir... Ça, c'est anti-stress c'est en plus. Oui, ouais, fait. Non, non, c'est une pâte qui est, tu vois... Et du coup, il faut lui donner énormément de boulot, quoi. Exactement. Comme ça, regarde, déjà, il y a bien, là. Et voilà la couleur. Tu vois les petits points blancs que tu vois. Ouais, c'est la farine qui n'est pas assez incorporée. Exactement. Et donc, il faut vraiment qu'on malaxe, qu'on fasse des massages. En plus, je vois que tu as des mains assez puissantes pour faire ça, toi. Et même comme ça, tu pourrais même la prendre comme ça, vas-y, tu vas la mélanger un petit peu. Voilà, c'est bien. C'est bien, je te sens respirer. J'adore. J'adore, ça t'est concentré en plus. Faut te rendre compte, bah attends, j'ai Tu veux me faire plaisir, bah, là, je sens, j'ai sens que tu veux me faire plaisir. Non mais dis-toi un truc, moi j'anime cette émission depuis quelques temps déjà et c'est un plaisir de le faire. J'ai des invités qui sont passionnants, mais rares sont ceux qui cuisinent. Et du coup, c'est vrai que c'est un challenge pour moi de les faire cuisiner. Là, je prends un cours de cuisine par un maître, c'est vraiment plaisant. Oh, un maître, exagère pas non plus. Ça fait combien de temps que tu cuisines? Alors, il faut savoir que mes grands-parents et mes parents étaient dans la cuisine depuis toujours. Depuis enfant. Donc en fait, moi j'ai joué tout le temps autour de la cuisine ici, ouais. tu vois. Et après, dès qu'il est par terre au sol, bien sûr, tu sais, quand t'as 3-4 ans. Ouais, ouais. Et parfois, moi je me rappelle bien... mes tantes, ma mère et tout, ils faisaient les petits pois, les fèves. Ouais. Et il y a toujours un petit pois qui tombe au sol. Et c'est là que j'ai commencé à bouffer à partir du bas. Et je voyais la cuisine du bas vers le haut. Je dis, waouh, c'est un monde extraordinaire. Ah ouais, grave. Et donc, forcément, je me suis approché de ça parce que en Italie, les femmes cuisinent énormément à la maison. Ouais, ouais, bah oui. Chose que ça se perd un peu de plus en plus, je trouve. Parce les que gens cuisinent de moins en moins. De moins en moins, exactement. Et les traditions, les essais traditionnels. Je pense que nous, on est une des dernières générations où on a eu les mamans, oui. les grands-mères qui font à manger. Oui, clairement. Après, ça va devenir de plus en plus compliqué. Même, après, il y a toujours les exceptions qui vont confirmer les règles. Voilà, ça, mais okay. C'est bien, hein, fais voir un peu. Ça va, dis-moi. Le fait que la table s'ornaille à chaque fois que j'appuie, ça m'énerve. Mais... Non, c'est fait exprès pour donner une matière et une consistance différente à la pâte. Fais voir. Vas-y. Là, c'est parfait. Regarde. Là. Ouais, je vois bien, je regarde. Et les mêmes Franchement, c'est un plaisir. J'espère voilà, que vous, de votre côté, vous passez un bon moment. Voilà, ça c'est la tienne, ça c'est la mienne. Allez. Voilà. Vas-y, on voit. J'ai besoin encore de travailler plus. Non, la mienne, elle n'est pas fait. Non, c'est pas encore assez. Si, okay, très bien. Parce qu'on va l'étaler après. Et du coup, elle remonte, elle revient. Non, c'est bien. Okay. Donc là, on va la mettre au frigo directement. Ok. Tu ne filmes pas au contact? Non, c'est pas grave. Alors, on peut filmer à contact pour éviter qu'elle sèche. Ou qu'elle sèche, ouais. Qu'elle sèche. Mais le frigo n'est pas assez puissant pour que la pâte puisse sécher ou se déshydrater. Alors, je te laisse laver les mains. Ouais, j'attends. Ouais. Et moi, je vais donner un coup de propre au plan de travail. Voilà. Vas-y, merci. Mais avec plaisir. Alors. Normalement, c'est les communes à la base qui nettoient le plan de travail et qui font le ménage et tout. Mais tu sais, on dit aussi que pour être un grand chef, il faut être d'abord un grand commis. Il faut être un grand commis avant. Toi, t'as fait le... Comment dire le... Le parcours classique en cuisine, je dirais, c'est ça, t'as commencé l'école hôtelière en Italie, pas du tout, t'es arrivé en France, comment t'as fait? T'as commencé vraiment professionnellement, tu me dis que t'as découvert la cuisine, merci, familialement et tout ça, ça je l'entends, je suis issu du même process. Oui. Moi je me suis pas professionnalisé dedans, j'ai fait autre chose. Toi, à quel âge vraiment t'as commencé à te dire je vais faire cuisinier? Alors moi je comment voulais t'as fait, c'est quoi le parcours? Il faut savoir que je voulais être barman. Avant d'être barman, je voulais être pape.
Moi, quand j'avais 8 ans, ouais, je voulais marcher sous le balcon et pouvoir parler aux gens et communiquer avec les personnes. Et les gens t'applaudissent chaque fois que tu t'appointes. Ouais. Et quand j'étais gosse, j'avais des copains, je me mettais soit en fauteuil, je les faisais asseoir au sol et j'ai parlé et je communiquais avec eux. Et c'était vraiment ce que j'aimais bien, c'était ça. Tu sais, être avec les gens, parler. Et être habillé en blanc. Je voulais être pape avec la kippa sous la tête et tout, la totale. Et après, j'ai grandi. 12-13 ans, je me suis dit, ah, les barman, tu sais, c'était l'époque des cocktails. Cocktail, Tom Cruise. Tom Cruise, j'étais trop fan de lui, moi. Ah, ouais. Je veux devenir comme lui. C'est qu'à l'époque de cocktail, Tom Cruise, il n'avait pas encore les dents refaites. Ah, c'est vrai? Regardez ce film, vous allez voir, c'est magique. Moi, je le trouvais plus petit, je trouve qu'il a grandi après. Bah oui, après, ils lui ont mis des talonnettes. Mais... non, ça joue. Et je mets ça dans le décor aussi, c'est bon. Vas-y, totalement, okay. Attends. Je mets le petit. Les petits papiers humides dessus. Voilà. Et donc, à cette époque-là, j'ai commencé à faire des concours, mais dans le bar. Ok. Mixologie et tout. Mixologie et tout. Et j'avais gagné quelques concours quand j'avais 13-14 ans. Ah oui, quand même. Et mon père m'a jamais dit il faut que tu fasses cuisinier, que tu sois cuisinier. Même ma mère détestait ces métiers. D'accord. Parce que mon père rentrait à la maison. Il est restaurateur, non ou... oh, si, il était les deux. Ok. Et dit fais pas ces métiers, tu vas rentrer à la maison, tu vas puer la graisse, les crayons. Je dis maman, attends, tu m'écartes. Si c'est juste ça l'histoire. Si c'est juste ça l'histoire, voilà. Moi j'adore la graisse et tout ça, quoi. Donc ouais, c'est beau le couteau là. Oui, vas-y. Ah, c'est magnifique. Et ça coupe en plus. Hein. Oui, faut faire attention. Ok, donc. Dis-moi, chef. Pendant qu'on discute. C'est aussi, difficile pour toi de ne pas cuisiner, de me faire faire les trucs ou pas? Non, ça va? Pas du tout. Oh, même au contraire. T'aimes bien, t'es mieux là. Bien sûr. Comme vas-y. Ça, je t'observe et tout. Bah, dis-moi. Tu peux éplucher l'oignon. Il nous faut un demi-oignon. Un demi-oignon? Un demi-oignon, pas entier. Un demi. Attention, tu coupes pas les doigts, s'il te plaît. Ça fait peur toujours. J'adore. Et tu fais tout finement, les plus finement possible. Pas besoin, tu sais, les règles, les machins, les brunoises, on s'en fout. D'accord. Nous, on cuisine comme maman cuisine à la maison. D'accord. Et on met, faut juste mettre les bonnes quantités, faut juste pas brûler les produits, des bons produits. Et ma maman dit toujours, mon chéri, mon fils, toujours un soupçon d'amour. Un soupçon d'amour, on en met beaucoup de l'amour ici. Nous on en met beaucoup, mais parce que nous on est généreux. Ah, il faut. Donc là j'ai mis un filet d'olive dans la casserole. Ouais. Et ce qu'on est en train de démarrer déjà là, c'est la sauce tomate. D'accord. On va faire une petite sauce tomate. Alors il faut savoir que... Pour les tomates fraîches, on est un peu hors saison. Oui, alors, merci de le préciser. On le précise. En Île-de-France, certes, Manon, la saison est un peu décalée, en fait. Totalement. Parce que le réchauffement climatique et tout ça. Mais même dans le sud, on a les tomates, genre en Sicile, vous avez les tomates qui commencent au mois d'avril, au mois de mai, jusqu'en, voilà, les petites tomates, pas les grosses tomates, bien évidemment. Et en Île-de-France, on arrive jusqu'à août, septembre, octobre. Oui. Donc là, on est un peu hors saison. On est un peu hors saison. On va quand même vous montrer. L'idée, c'est de vous montrer avec des vrais. Voilà. Le mieux, alors, si vous êtes là en direct avec nous, vous le savez, le aussi. Mieux, c'est d'être en saison. Mais on peut aussi utiliser en conserve les San Marzano, les autres, voilà. Si vous regardez cette, si ensuite vous êtes amené à regarder ça en replay et que vous êtes à la bonne saison, faites-vous plaisir, ça sert à ça. Exactement. De toute façon, la vidéo, elle peut être regardée n'importe quel moment exactement de l'année. Après, ouais, exactement. Et il faut savoir que nous, en Italie, la tomate, elle est toute l'année. Pourquoi? Dans le meilleur moment de la saison, genre septembre, les mamans, les papas et tout le monde se retrouvent dans une maison et font la conserva di pomodori. Pour les Italiens qui nous écoutent, conserva di pomodori. Pour les Italiens qui ci ascoltano, ça il faut le dire. Ouais, ouais, la conserva di pomodori, c'est la sauce tomate en bocaux qu'on met à bouillir dans les grosses casseroles avec du feu de bois en dessus. Elle est pour toute l'année, pour faire les pizzas toute l'année, les pâtes toute l'année, voilà. C'est pour ça. Mais attends, c'est laser ça. Ça va ou pas? Oh là 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 là, m'amène. Là, c'est magique. Hein. C'est magique de chez magique là. C'est beau. Hein. Merci, ok. Donc, pareil, même quantité, on va faire une carotte et on va faire une branche de céleri. D'accord. J'aime bien garder les légumes un peu ici, comme ça. Ouais, vas-y, attends. Ça fait un peu de décor sur la table, ça te dérange pas? Bah oui, non, attends, hey, ce soir, c'est toi le patron. Ah non, tu rigoles quoi? Alors, normalement, la fibre qui est ici, vous voyez ces fibres-là, au restaurant, on les enlève parce que c'est moins beau. Quand t'as des journalistes comme les Méjanaises, tu les connais? Ouais, je les connais. Ils disent, ah, j'avais ça dans la dent, c'était pas c'est resté entre mes dents, après j'ai plus de... Ouais, nous, à la maison, on s'en fout, en fait, on met tout dedans, comme maman fait. Et ça, même, et tout ça, tu vois. Ça, on le garde, on met dans l'eau, normalement. Regarde, mais voilà. Oui. On fait un bouillon. Hé, hey, les gars, ce que bouillon. J'ai montré il y a des mois, mais je suis fier de ça. On le fait aussi, nous. Alors. Voilà. Donc, tu mets... Et même, tu vois, là, ici, il y a une petite plante de basilic qui est un peu fatiguée. Ah, mais là-dedans. Ouais, exactement. Qu'est-ce que je fais? Ça, de... les amis à la maison, vous jetez pas. Hein. Voilà, ça, là, vous ça, voyez. Voilà, ça, c'est pas que c'est pas joli, c'est encore meilleur. Alors, attends, bouge pas, descends là. Mais ça sent fort.
Ça reste ici, voilà, parce que tu vois, on a une caméra au-dessus de notre tête. Oh là là, c'est la technologie, hein. Salut, toi. Tiens, ça, on plonge, tac. Hop, direct, on et y va. Et ça, pareil. Et là, après, on va cuire les pâtes avec. Et tu sais quoi, on peut même faire un risotto parce que ça va être un putain bouillon. Mais oui. Excusez-moi. Non, t'as le droit. J'ai le droit ici. Mais t'es comme à la maison, on a dit. Ah non, c'est vrai ? Ouais. Ah bah parfait. Et j'adore cette émission. Mais oui, comme à la maison, j'arrête pas de le dire. Parfait. Alors, ici, un oignon blanc. Alors, si vous n'avez pas d'oignon blanc, un oignon doré, un oignon rouge, une échalote, ce que vous voulez, pareil, ce que vous avez à disposition, ce que vous avez dans votre jardin, si vous avez un jardin. Nous, on n'a pas la chance d'avoir un jardin. Non. Quoi que sur la terrasse au dernier étage, on peut faire un jardin. Ils font pousser des trucs, mais je ne sais pas ce que c'est. Mais on pourrait y aller la prochaine fois, faire une émission là-haut, si tu veux. Et on verra avec mon équipe technique, ma régie, qu'on vous embrasse, vous êtes fort. Dis-moi. Alors, maintenant, regarde. Tac, j'ai fait venir les oignons ici. Et tu me fais une demi-carotte, pas la carotte en entière. La céleri, tu peux le mettre dedans aussi. Voilà. Et ça, c'est la base pour toutes les sauces qu'on fait en Italie. Donc la sauce tomate, déjà, aromatique. Et aussi la bolognaise et aussi d'autres types de pâtes. Alors la bolognaise, c'est... C'est la viande des bœufs. Non, mais c'est au ragoût ou c'est différent? Bolognaise alors, ou... On appelle ça ragoût antico chez nous. Ok. Ragoût antico, ça veut dire... Les vieux ragoûts d'antan. Je te laisse la peau. Si, tu laisses tout. Ouais, tout est bon. De toute façon, c'est... Ça aussi, pareil. Tu achètes une pomme, tu la laves et tu la manges. Tu l'épluches pas, la pomme. Ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi. Tu achètes une poire, tu la manges, la poire. Ouais, ouais. Bah, la peau pas l'éplucher. Non, totalement. Voilà. Et c'est là où il y a les meilleures choses, c'est là-dedans, hein, dans la peau. Donc là, on fait juste cuire tout doucement. Tu vois, on fait mijoter, on fait sortir les sucs de l'oignon, du céleri, de la carotte qu'on va ajouter. La carotte, coupez-la toujours en dernière, parce que la carotte, c'est celle qui est... J'ai dit, alors, à la base, ça met un peu plus de temps à cuire, mais ça lâche trop des sucres parfois. Donc nous, on va aller très vite. Moi, je préfère que l'oignon soit en premier, toujours. Mm-hmm. Après, encore une fois, on s'en fout, on mélange tout. Hein. Oui, bien sûr, tu vois, ça me va aussi si tu... Dans des astuces, si t'expliques, si tu donnes des astuces. Okay. Mais surtout, l'idée, c'est qu'on puisse leur expliquer pourquoi on fait les trucs souvent. Dans les émissions, tu vois, on n'explique pas pourquoi on fait les choses. Bien sûr, mais là, si vous avez des questions, même à la maison, je ne sais pas s'il y en a. Vous les posez dans le chat, bien sûr, allez-y. Exactement, hein. Je lis là, attends. On ne lit pas forcément le chat. Oui, génial émission, merci, oui, voilà, merci. Voilà. Parfait. J'aime bien, c'est avec Domingo. Ah ouais, là, t'inquiète pas, ils sont sur une autre chose. Ils discutent entre eux. Ah, ils discutent Ils ne sont pas toujours en train de nous parler à nous. Ah, en fait, ils s'en foutent de nous, en fait. Possiblement, un Possiblement, peu. Possiblement, genre, ouais. Ils se tapent des bars, ils sont en train de faire l'apéro de leur côté. Ouais, c'est exactement. Ah, mais c'est trop bien, ça. C'est la contre-soirée, ça arrive. Alors, il est trop fort, Denis, il parle combien de langues? Alors, dis la vérité, j'en parle 5. Allez. Mais j'ai aussi mon dialecte. Est-ce qu'il compte ou pas, mon dialecte? Ton dialecte, t'en parles à toi ou le calabrais? Les calabrais. Ah, voilà, parce que oui. Les gens demandent d'où tu es en Italie. Alors, je suis né en Calabre, messieurs, dames. J'ai grandi jusqu'à l'âge des 12-13 ans. Et après, j'ai suivi mon père parce que mes parents sont divorcés. Okay. Et c'est là que des barman, j'ai basculé en cuisine. Parce que tout... Vous avez vu ce sens du storytelling? Il nous a ramené au truc. Ouais, pas mal. Et voilà, je le mets ou pas? Tu peux y aller. Et ici, pareil, on est chez toi, tu ne demandes pas la permission, tu y vas. Hein. Non, mais attends. Ouais. Si tu fais une connerie, je te le dis. Mais voilà. De toute façon, je peux te taper aussi? T'as le droit de faire ce que tu veux. Ah. J'ai demandé à ma mère, elle a dit qu'elle était d'accord. C'est pas... Elle s'appelle comment, la maman? Marie-Pierre. Marie-Pierre. Ciao, Marie-Pierre. Voilà. Est-ce qu'il nous regarde, Marie-Pierre? Non, il y a peu de chance, elle est en Creuse. Tu sais où c'est, la Creuse? Non, je sais pas où c'est. Bah voilà, personne sait où c'est. C'est tant mieux. Moi, la géographie, c'est au centre de la France. Ah bah, parfait. C'est là où aucun réseau ne fonctionne et où Internet ne passe que très peu. Donc alors, non, t'inquiète pas, il regardera après. Vas-y, dis-nous. Regarde, on va utiliser celui-là. Et là, tu vas me couper les petites tomates. Okay. Alors, il y a deux astuces. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a deux assiettes? Attends, je pense qu'il y a deux assiettes. Vas-y. Qu'il y avait ici, je crois. Vas-y. Comme ça, il y avait une petite astuce. Ça, c'est maman qui fait ça. Attends. Alors, là, de toute façon, je les garde, je suis, t'inquiète pas. Donc là, tu mets les tomates. Je sais pas si celle-là, tu la connais. Non, non, vas-y. Tu mets toutes les tomates comme ça. Tu lèves les pédoncules, on dit comme ça. Pédoncule, ouais. Voilà, parfait. J'ai toujours du mal avec ces mots-là où il y a les... Ces mots qui ne servent vraiment pas à grand-chose. Non, hein. Mais en plus, tu sais, quand tu les prononces mal quand t'es italien, oui. Ça fait un peu... Tu sais, je vois le E qui fait E. Et tu vois ce que tu veux dire. Et tu sais, quand j'étais, quand je suis arrivé à Paris, on sortait boire des coups, j'ai parlé à peine français. Et nous, en Italie, on dit « bacia tutti, baci ragazzi », tu vois, quand tu arrives ou quand tu pars. D'accord. Au lieu de faire la bise à chacun, tu sais, quand vous êtes 8 ou 10, tu es toujours loin. Comment tu dis
Et moi, je dis baci ragazzi, baci à tous. Un bisou, non? Oui, baci à tous. Sauf que moi, au lieu de dire bisous à tous, je disais je vous baise tous. Ok, très sauf bien. Que là. Ah oui, oui, oui. Tu vois, tu traduis, mais non. Tu vois, je l'ai traduit. Mais pour qui se prend, le gars? Et voilà, exactement. Et personne ne me disait rien. Mais pendant moi, on m'a rien dit. Je vous fais tous des bisous. Voilà, à la base, c'est ça. Voilà, et je moi, je disais bien l'italienne, tu vois. Et là, personne ne me disait rien pendant un mois. Ils rigolaient dans leur coin. Les méchants. Les méchants. Raconte-moi. Alors, à la base, ça, tu les mets comme ça. Ok. J'essaie de les aider. Ah, attends, tu vas mettre l'assiette comme ça, on va couper comme ça. Voilà, vas-y, je te laisse faire. C'est ça? Allez, fais-toi plaisir. Je sais pas faire, moi. Fais-toi plaisir. Voilà, exactement. Parfait. Oh. Et là, pareil, là, c'est pour faire vite, en fait. C'est comme un gâteau. Hein. Je sais pas si j'aurais été pas plus rapide. Bon, c'est pas grave, regarde, tu les as coupés. Hein. Tac, bah, tac. Tu crois? Ouais, il y en a qui ont survécu, je pense. Voilà. Et bim. Tu l'as fait, mais tu vois que tu l'as fait. C'est bien. Alors, maintenant. C'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. Il est en train de me faire des life hacks, mais attention. Non, non, c'est des petits gestes sympathiques. Ouais, ça va. Ça, tu vois, ça va vite. Et comme ça, tu t'évites même de te couper les doigts. C'est pour ça que tu avais sorti le couteau à pain. Exactement. Oui. Et après, je me suis dit, bon, on a un couteau qui coupe. Vas-y, normalement, ça roule. Normalement, les tomates, les citrons, tous les produits acides, ça se coupe avec les couteaux à pain. Alors pourquoi tu dis tous les produits acides? La tomate, je savais parce que le fil de la lame, il a du mal à prendre c'est la ça. Peau. Pareil, l'aubergine, c'est pareil. Ouais, carrément. Il ouais, ouais. Y a rien de plus détente. Je sais pas que de couper des aubergines. Ça va, t'aimes bien ça? Ouais, ouais, ouais. Laissez-nous le chat, hein, on est bien. Alors, les gars, vas-y. J'ai mis de côté un petit peu des. Ok. Comme ça, là, on vient. Ça sent tellement bon! On vient et on met les tomates. Alors, ça, c'est la recette pour la sauce tomate fraîche, d'accord? D'accord. Voilà. Et là, donc, on a fait une petite garniture aromatique. Ouais. Et autre astuce à la maison. Ça, c'est la recette traditionnelle qu'on peut faire avec maman à la maison. Il faut saler tout de suite. Pourquoi saler? Quand ça tu sales l'eau. Un produit, ouais. Ça rend l'eau. Les champignons, les tomates, tout est comme ça. Il est là. Il est là, parfait. J'ai aussi le poivre. Donc, tu peux saler. Un petit peu, pas trop. T'es amoureux ou pas? Oui. Alors, ne sale pas. En fait, quand vous êtes amoureux à la maison, dis-moi. Il ne faut pas saler. Non, mais c'est vrai. Si t'es... Moi aussi, je suis amoureux et je sale quand même. D'accord, ok, d'accord. Mais moi, je suis né amoureux. Moi, je ne veux pas être mal avec ma femme. Moi, je suis né amoureux, donc il n'y a pas de problème. Ça va. Voilà. Mais quand tu l'es maintenant, tout de suite, c'est plus compliqué. Plus compliqué. Voilà. Pourquoi ça porte malheur? Non, non, que tu n'arrives pas à saler bien comme il faut. Ah oui, parce que c'est Tu as tendance à trop saler. À trop saler. Quand tu es dans l'émotion actuelle. Ah, d'accord. Oh, bah. J'aime bien ça. Moi, j'aurais voulu que tu me dises oui, je suis amoureux de toi. Non, mais là, j'aurais pas, parce qu'il y a de chances que ma femme regarde. Ok, coup, d'accord. Là, je dors sur le canapé. Après, pour le coup, elle n'est pas avec non, ta non, maman. Non, 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 non. Non. pour le coup, elle n'est pas avec la maman. Alors, ici, j'ai vu qu'il y avait une petite louche. Est-ce qu'on a une louche? Oui, tu peux la prendre dans le panier qui est là-bas. Alors, je réponds à Times Squirrel. Il vaut mieux le couteau à pain que le Santoku. Oui, Times Squirrel, le couteau à pain, c'est simplement un couteau à lame dentelée. Il y en avait un tout à l'heure et. Voilà, le Santoku à la malvéolée, oui. C'est si tu veux, c'est plus utile pour les fromages, ou pour les trucs, les trucs gras en fait. Tu vois le poisson, le saumon, parce que ça crée un petit coussinet d'air qui fait en sorte que la matière grasse colle pas à la lame. La lame dentelée du couteau à pain, elle, c'est juste parce que en fait, elle agrippe mieux la tomate. Elle rentre mieux dans la peau de la tomate. Voilà, tout bêtement. C'est ça, non? Extraordinaire. Bien. Tu l'expliques trop bien. Merci. Je l'ai pas pu expliquer mieux. Alors regarde, j'ai ajouté un petit pot de cuisson ici. Hein. Ok. D'accord. Ça fait, tu vois, j'adore ces bruits-là. Chantonne, c'est beau. C'est tellement positif. Donc là, ce qui est bien, c'est aussi la tige. D'accord. Oui, oui. Faut rien jeter. Voilà, là, tu le tapes. Ah, comme quand on fait des cocktails. Ouais, exactement. Tu frappes entre les. Ah, c'est trop bien. Je savais pas qu'il fallait faire ça. Et là, tu le mélanges. Alors là, t'en mets un petit peu comme ça. Pas besoin d'en mettre plus, là, non? Pas besoin d'en mettre plus, non, ça suffit déjà. Alors en fait, quand vous c'est pareil, en mixologie, on réfléchit à ça comme ça. Souvent, on se demande s'il faut piler la feuille et ainsi de suite. Le problème de piler les feuilles, c'est qu'on libère leurs huiles, c'est pas toujours ce qu'on veut. Et là, en les frappant un petit peu, et ben, en fait, on libère leur odeur, on libère leur saveur. Nous, là, ça sent énormément le basilic dans l'espace, c'est vraiment chouette. Ok. Dis-moi. Pas de fait, regarde. Donc là, on met de l'eau. Ouais, exactement. On va cuire tout doucement. Donc soit c'est les tomates cerises, il faut toujours les aider. Ouais. Tu prends une Saint Martin, une tomate cœur de bœuf, elle est déjà blindée en haut. En flotte, donc ok. Tu la laisses. Okay. Et là, c'est ce qu'on va faire, on va les cuire pendant une petite vingtaine de minutes, c'est 21 heures, de toute façon on a le temps. Hein, on a le temps, ouais, ça voilà. Part là. Donc on va faire les choses bien comme il faut. Et là après, avec une fourchette, on va l'écraser avec la fourchette. On va écraser les tomates, ok, très bien. Et de l'autre côté, je crois qu'il y avait plein de graines. On va faire, et je pense ça. C'est magnifique, il y a tout ce qu'il faut ici. Ah bah, c'est pas mal. Hein. Non, j'adore.
je suis trop fan. Donc ça, je le décale ici. Il y a une caméra là aussi. Bien sûr, regarde, on est là. Oh là 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 là. L'écran que tu as devant toi ici, c'est le temps réel. C'est les kiffs. Ah bon, parfait. Et donc là, ce qu'on va faire, pareil, je vais mettre encore une filet d'huile et on va faire la sauce tomate, mais celle avec... Avec les conserves. Les conserves. Donc, tu te rappelles, j'avais fait moitié-moitié de la quantité parce que comme ça, on répète pas. On avait gardé la garniture aromatique, voilà. Il est fort. On répète pas le geste deux fois, même si on aurait pu parce qu'on a le temps. Hein. Mais bon, on gagne du temps. Carrément. Donc, tu pouvais une boîte, ça suffit. Une boîte, donc c'est des tomates d'Atelier. Au moins que tu prépares les mises en place pour maison et pour la semaine, hein, si tu veux. Alors, en général, il faut savoir ici, tu le sais, nous, on cuisine aussi les gens qui vont manger nos plats, là, en dehors de nous. C'est surtout la régie technique, les gens qui travaillent sur l'émission. Voilà, coucou, c'est vous. Ma règle ici sur cette émission, c'est qu'on... Alexa Non. C'est Siri. C'est Siri. Ciao Siri. Attendez les gars. Attends, petit pâté. Alors regarde, là, ça parle cuisine. Tu vois, petit pâté d'aubergine frite, un bonheur. Voilà, là, ils sont avec nous là. Voilà. Ouais. Alors, et là, les gens me demandent dans quelle saison de Top Chef tu étais. On peut parler de Top Chef ou pas? Bien sûr. Ah, trop bien. Franchement, on peut parler de. C'est une bonne expérience pour toi, Top Chef. Alors, franchement, c'est à l'époque, oui. Ah, il y a à l'époque. Alors, je t'explique. En fait, les émissions de télé, les émissions de télé comme Top Chef. Pour moi, une Maryse de partenaire, s'il te plaît. Ah, excuse-moi. Vas-y, raconte. Je savais pas. Tout va bien. Tout va bien. Comment on dit ça, tout va bien? Tout à posto. Tranquille, tout à posto, la gars. Tout à posto. Ne te préoccupe pas. Alors. Tout à posto. Par contre, à la maison, un petit geste, je reviens sur Top Chef après. Vas-y. Alors, je vais baisser un petit peu avant d'écramer ma garniture aromatique. Vendu. Ici. Quand vous ouvrez une boîte à la maison, s'il vous plaît, est-ce qu'on la voit ici? Vas-y, tu peux. Voilà. Vas-y, tu y es. Quand vous ouvrez une boîte à la maison, parce que ma femme s'est coupée les pouces, mon beau-frère s'est coupé les pouces, ma sœur s'est coupée les pouces. Des gens, il faudrait qu'ils arrêtent d'ouvrir des boîtes. Non, mais c'est les boîtes qui n'expliquent pas comment les ouvrir. Vas-y, montre-nous. Donc, regarde, t'as un petit rond ici, tu vois. Ouais. Les petits ronds, c'est pour les pouces. Ok. Là, tu tires et tu gardes avec les pouces. Attends, comme ça peut-être. Non, t'inquiète, tu vois. Ouais, vas-y. Ok. Et là, je pousse avec les pouces. Tu pousses du pouce. Voilà. Et je tire avec l'index. Et là, après, quand tu tires, c'est bon. Très bien. Voilà. Et là, merci d'avoir montré ce geste. Vous faites tout doucement, pas de pression, avant et derrière, comme ça. Hop là, c'est élevé. Et vous gardez bien la main au-dessus de la boîte. Comme ça, boîte, vous coupez. Comme ça, on se coupe jamais. Donc ici. Voilà, alors à savoir qu'ici aussi, messieurs, dames. On récupère avec un petit peu d'eau. Voilà. Il faut tout récupérer, rien jeter. Tu mélanges un petit peu. J'avoue que je suis un peu content de faire mon premier de la classe. C'est comme ça qu'on fait, chef. Voilà. Se couper avec une conserve. Les amis, soyez pas condescendants dans le chat. Ça arrive à des milliers de personnes présentes. J'aimerais bien savoir, là. Si tu vois le nombre de personnes qui se blessent en faisant des trucs que toi tu regardes en disant, mais t'es crétin ou pas? Et ça, c'est comme ça. Ça arrive, voilà, parfait. Tout bêtement. Et dans la poubelle, derrière nous. Derrière nous, parfait. Exactement. Donc, on revient à Top Chef. Quand j'ai fait Top Chef, à l'époque, j'étais beau, mince et sans la barbe. Ça n'a pas changé, t'as juste plus la barbe. Un peu plus de barbe qu'avant. Non, t'avais pas de barbe du tout. Non, pas de barbe. Mais t'étais frais, tu sortais du frigo. Non, et franchement, j'étais du frigo, merci de me le rappeler. Alors, pendant qu'on discute comme ça, on fait cuire nos sauces tomates. Bien sûr, voilà. Et j'avais 23 ans. Ouais. Et donc, à 23 ans, j'avais rien à Paris, j'avais rien en France. Je me suis dit, bon, j'ai fait l'émission, si ça se passe mal, tant pis, je rentre en Italie. J'ai les sous de secours. Ouais, bah oui. Voilà, donc forcément, je me suis dit, je vais rester si ça se passe bien. Il faut savoir que quand tu fais une émission comme ça, et c'est la première fois, et t'es jeune, tu sais pas comment parler, tu sais pas comment être avec la caméra, tu connais pas les. Déjà dans la vie, on a du mal à trouver les codes. Déjà dans la vie, on a du mal à relationner bien avec les personnes, avec nos amis. Imagine un peu la télé devant des caméras, quoi. Donc tu sais pas comment tu peux réagir à des situations qui peuvent être bonnes ou mauvaises. C'est très bien, je l'avais oublié, c'est là. Et donc, à l'époque, en deux, le truc, j'ai fait... Non, mais c'est très bien. J'ai fait l'émission et j'ai adoré la faire. Okay. Il faut savoir que j'étais sous-titré à la télé parce que mon français n'était pas si terrible. Un plus gros accent que maintenant, c'est tout. Très, très gros accent. Ouais. Mais je peux encore les faire comme ça, parler. Et on te le demandait bien. Non, on te demandait pas de prendre l'accent, t'avais pas besoin. Non, j'avais pas besoin. J'avais pas besoin de demander. Les mecs qui devaient tout titrer, lui disaient arrête avec l'accent, c'est chiant là. C'est chiant là. Il peut parler comme ça, normal. Voilà. Exactement. Et non, c'était une émission extraordinaire parce que j'ai connu des belles personnes. J'ai connu Juan Arbeláez, qui est mon frère de cœur. Ouais. Et aussi Descent, parce que j'ai pas de frère, j'ai qu'une sœur. Voilà, très bien. Donc ça l'a été. Et depuis, on a évolué dans ces métiers à Paris, on a ouvert nos restaurants. Ouais. Ça fait combien de temps, Top Chef, pour vous? 2012. Ouais, c'est ça, ça fait 10 ans. 10 ans. 10 piges, quoi. 10 piges en janvier. Exactement, en janvier, ça fera 10 ans. 10 ans, 10 ans. Sachant que là, alors attends, parce qu'il y a aussi une actu dont on doit vous parler. Tu montes avec Juan, Noémie Ognia, que vous avez aussi rencontré sur Top Chef. Et Julien Dubouet. Julien Dubouet, que vous avez aussi rencontré sur Top Chef. Le feu.
Les feux. Le feu, donc, c'est un média autour de la food. C'est ça. 6 formats d'émissions différents. Ici, chez Webedia. Ici, chez Webedia, voilà, voilà, c'est à la maison, c'est à domicile. Chacun a son format d'émission. Toi, ton format, c'est Cominovis. Exactement. Et donc, vas-y, tu nous expliques un peu. En fait, c'est un peu ce qu'on fait, nous, actuellement. Ouais. Sauf qu'à la base, tu viendras le faire. Ok, très bien, avec plaisir. À la base, moi, je suis là avec mon panier de produits. Et toi, de l'autre côté. Et, ouais. Et tu dois suivre la recette juste en écoutant les sons de ma voix. Ouais, c'est pas mal. Et à la fin, on se retourne 5, 4, 3, 2, 1. Et on présente l'assiette. Et après, ça va être beau chez toi. Attends, parce que j'ai eu Denitsa, la juge des danses avec les stars, elle m'a mis la misère, la petite. C'est vrai? Ah ben, je te jure, elle n'est pas encore passée l'épisode, mais on l'a déjà tournée. Et vous allez voir, elle était très très forte, tellement forte que l'assiette était plus jolie que la c'est mienne. C'est vrai? Attends, parce que le dressage, moi, c'est un de mes gros défauts. Et peut-être que tout à l'heure, tu nous donneras les clés du bon dressage. Des petites astuces. T'as Cominovis, donc c'est ce format-là en back-to-back finalement. C'est ça. Et t'as aussi, y a aussi Food Fighter. Moi, j'ai vu l'émission, justement, tu parles de Juan, donc c'est ça que je connais dans ma tête. Food Fighter, nous les chefs qu'on s'affronte sur une thématique, genre les veggie-bowls, les tacos, les pâtes fraîches, autres. Okay. Et on est face à face, on a 20 minutes de temps et c'est la bagarre. Okay. On s'échamaille et tout. Toi, sur un veggie-bowl, tu prépares un carpaccio de Saint-Jacques, je crois. Non, celui-là. Non, j'ai vu le. Ah, je me rappelle plus ce que j'avais préparé. Non, mais je crois que tu dis, ouais, on peut mettre la protéine qu'on veut et tout. Toi, Juan, t'es de Colombie, tu vas nous caler du quinoa. Et c'est voilà, il a calé du quinoa. À un moment donné, ça parle végie, vous parlez d'autre chose. Et à ce moment-là, tu dis, ouais, je vais faire un carpaccio de Saint-Jacques. C'est plus du tout végie, mais c'est pas grave. Et vous pouvez alors voilà, si vous posez la question, le feu, vous le trouvez sur YouTube. Tout bêtement, vous cherchez le feu et vous cherchez son magnifique visage souriant. Avec Paris, Julien Dubouet, avec la l'école relevée, l'école beau gosse, voilà, tu sais. Et tout. Regarde, il a touché la pâte 2 minutes, elle est déjà préfaçonnée. De quoi? Alors, et donc vous pouvez voir tout ça, sachant exactement. Que ça c'est ton actuel. Actuel. sur le YouTube, sur l'internet. Et ça aussi. Mais voilà. On va y arriver, mais est-ce vous avez vu comment il est, mais il est fort. Est-ce qu'on peut en offrir un à quelqu'un qui, je sais pas si. Dans la prod me dit que c'est ok, non? On peut en faire. Est-ce qu'on peut avoir comment s'il vous plaît, je sais pas comment le choisir, bon Paul, le bon José. Mais ils vont se débrouiller. Voilà, on va vous le signer, on va vous l'envoyer à la maison. Voilà. Mais je sais pas comment. On va se débrouiller. On va se débrouiller, les gars. Je compte sur vous dans le chat. Hein. Voilà, essayez de trouver une façon. Oh, sinon, on peut poser une question sur ce qu'on est en train de faire à la mais fin en fait, du départ. C'est ce qu'ils vont faire. Je pense qu'on va faire comme ça. Voilà, le feu officiel sur YouTube, si vous cherchez. Attends, t'es en train de travailler à ma place là? Non, t'inquiète, je vais juste voir comme elle est la pâte. Ça, c'est la tienne, elle est magnifique. C'est vrai, ça va? Ouais, c'est vrai. Elle est très bien. Je vois qu'il force très fort sur les avant-bras quand même. Alors, c'est ça. Alors, soit on utilise un laminoir à pâte, soit huile des coudes et à l'ancienne. Alors, on n'a pas de laminoir ici. Voilà. Et tu étales de tous les côtés. Okay. Quand la pâte commence à coller un peu. De farine peut-être? Après, mais pas tout de suite. Comme ça, on a plus. Faut pas réincorporer de la farine? Pas tout de suite parce qu'autrement, on va trop la déshydrater. Okay. Et donc Top Chef, c'était une émission qui m'a beaucoup enrichi. Elle m'a beaucoup donné. Alors, pas forcément en technique des cuisines, hein, mais pourquoi en confiance à soi-même. Ah, en confiance en toi par rapport, par rapport au travail de cuisinier. C'est ça. Ou par rapport au travail l'image. Non, par rapport au travail d'adaptation. En fait, quand tu apprends une façon de cuisiner, il te faut du temps. Il te faut presque un an et demi pour comprendre, pour essayer, pour cuisiner, pour travailler le produit plusieurs fois. C'est un peu comme apprendre à danser, tu vois. Ah ouais. Là, le mec, il va faire danser avec les stars, on va pas comprendre. Vas-y, raconte. Non, c'est ma femme qui fait ça, c'est pas moi. Et là, tu apprends à t'adapter aux problèmes. Ok. Tu apprends à ouvrir ton esprit, ta façon de réfléchir, parce que tu es obligé de t'adapter à des situations. Et en fait, au final, les gagnants de l'émission, c'est les chefs qui s'est mieux adapté. Ouais. C'est pas les meilleurs chefs, les plus beaux, plus techniques. Comme c'est difficile de gérer la créativité. Parce que c'est un univers différent. En revanche, on vous juge autant sur votre capacité à prendre une consigne et à mettre votre savoir-faire au service de l'épreuve qui vous est donnée. Tout à fait. Tu as résumé avec une expression que je ne connais pas, mais c'est bien. Avec un français parfaitement bien dit. J'espère que vous... C'est vrai? Ouais, mais regarde pas, de toute façon. Mais regarde les replays. Ah, regarde les replays. Je suis très vulgaire dans la vie et j'essaie de. Depuis que j'ai un enfant. Bon ouais, non, je parle très mal. Non, mince. Et j'essaie, depuis que j'ai un enfant, d'apprendre à mieux parler, tu sais, pour éviter qu'ils viennent me voir en me disant « Papa, tu me casses la couille !» Tu vois, c'est pas bon. Là, parce que il est mono pas que, je sais pas. Il essaye aussi, lui. Hein. Voilà. Alors, c'est moi, très bien. Moi, je sais pas ce que je fais, hein, j'avoue. Non, en fait, il faut aplatir un maximum. Okay. Donc, soit on a les laminoirs qui coûtent 20-25 euros aujourd'hui sur les vous grandes surfaces. Vous passez la pâte et toc.
Exactement. En gros, ça passe entre deux presses. C'est ça. Voilà. Soit vous faites ce qu'on est en train de faire et on fait travailler les avant-bras et on fait un peu de sport. Ah ouais, vraiment, vous voulez attention, vous défouler par contre, au plan de travail. Oui, là, le plan de travail vient de prendre. Voilà. tu l'amènes ailleurs. On va amener. Au cadre à la caméra, ils ne vont pas y arriver. Voilà. Alors. Donc. C'est donc là, déjà... vraiment, faut. Alors, c'est assez génial parce qu'elle tient en fait. Elle tient, bien sûr qu'elle tient. Elle tient de ouf. Parce que tu l'as bien mélangée et parce qu'on l'a laissée reposer comme il faut. Et donc, forcément. Alors, on donne du cœur. Vas-y, raconte. Déjà, à la maison, si vous en avez marre, d'accord, ouais. Tu coupes dedans et tu manges, tu fais cuire, tu manges. Parce que. C'est peut-être c'est encore un peu épais là. C'est trop épais, mais mm-hmm. quand c'est trop épais, tu fais plus cuire dans l'eau. D'accord. Donc, au final, tu vas avoir une pâte qui est tendre. Ok. Au lieu de la cuire une minute comme nous, on va la cuire, ouais, ouais. on va la cuire 3-4 minutes. Ok, très bien. Voilà, c'est juste une... L'épaisseur n'est pas trop importante. Tu vas avoir un peu plus. La couleur est magnifique. C'est beau, hein, la colorimétrie. Merci boss, à Siri pour les filtres que vous mettez. Est-ce qu'on est bronzé aussi un petit non, peu non, 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 toi, non. oui, un peu. Moi, voilà. J'ai l'air blanc. Vas-y, raconte. Mais vous voyez, on travaille vraiment des poignets, des avant-bras. Vraiment, si vous avez envie de vous défouler, c'est franchement l'éclate. Et ça. Il y va beaucoup plus franco que moi. Oh, il faut de façon. Vas-y, vas-y, mais comme ça je sais. Et parce ça... qu'il faut voir qu'elle se rétracte en fait. Hein. C'est assez chouette à voir. Hein. C'est vraiment vivant. C'est exactement. C'est vivant. C'est comme la boulangerie. Exactement. Voilà. Et là, tu vas dans tous les côtés, droite, gauche. On va prendre un peu le relais comme ça. On va la faire. Ouais, je veux bien. Ouais, vas-y, vas-y. Comme ça, tu pourras aussi. Tu peux mélanger. Alors, ouais, je regarde un peu. Ouais. Regarde ici. Tu as vu commence, écraser un peu. Ouais. Tu peux commencer aussi. D'accord. Vas-y. Voilà, tu peux commencer à écraser. Après, tu sais, il y a. Je sais pas si on appelle ça. Moulinex, je sais pas comment on appelle ça les. Un presse-purée. Un presse-purée. Ouais ouais. Donc normalement on passe la. De toutes les marques, il a cité la seule qu'on pouvait citer. C'est nickel. Non c'est vrai. Parce que en fait notre partenaire c'est Tefal. Oui. Tefal c'est le groupe Seb. Ok. Moulinex aussi. Ah bon parfait. Bien joué. Ben si, vous m'envoyez un. Une machine. Ouais, voilà, il a tout compris. Il maîtrise les codes. Ça va je vite. Je sais pas s'ils sont YouTube, en train de. Ça fait 3 semaines et il est déjà en place le gars. Envoyez-moi voilà, les machines. Voilà, exactement. Attention. Si jamais on te demande de faire des trucs à base de codes promo, ouais. Retiens-toi. Non, ça, non j'aime pas moi les codes promo. Voilà. Nous, on offre des livres, ouais. On offre de l'amour. Oui, offrir, c'est bien. Voilà, je préfère bien. Faire un cadeau. Voilà. Mais même au restaurant, je préfère offrir un plat ou un dessert ou un livre ou un truc plutôt que faire moins 20%. Ah ouais, non, c'est... mais non. Non, parce que ton travail, il vaut pas moins 20%. Exactement. Tu décides de l'offrir, il garde sa valeur. Mais non, c'est mieux donner un cadeau. Et oui. Non ? Oui, bien sûr. On offre machin, tote, voilà. Plutôt que. Là, t'as remis un peu de farine. Oui, parce que ça commençait à coller au plan de travail. Voilà, donc, très bien. Dès que ça commence à coller un peu, on met un peu de farine pour essayer de sécher la pâte. Et après, on continue à étaler. Tout simplement. Faut voilà. voir que ça réduit quand même bien. Alors ouais. là, par contre, celles-ci, elles y sont pas encore. Non, non, mais là, et tu vois, c'est déjà bien. Pas mal. Et alors, ma maman, par exemple, ça, elle le laisse comme ça. Elle le passe pas au presse-purée. Ah oui, mais nous, on peut le laisser comme ça. Oui, c'est bien sûr. Vraiment bien plus rustique, quoi. Exactement, plus rustique, tout à fait. Très bien. Et même. Tu sais, vu qu'il t'aime bien la matriciana, tu m'as dit, on va ouais. faire la matriciana avec ça. D'accord, très okay. bien. Comme ça, ça reste rustique et beau. Okay. Les pastas matriciana, c'est typiquement, si vous un lien à la pop culture, c'est le plat de pâte que Kilgrave force un restaurateur japonais à lui cuisiner dans Jessica Jones. Ces cadeaux, c'est pour vous, c'est comme ça. Ah, c'est bien Benny, ça. Benny, marie-moi. Tu vois, les gens sont en train de... Voilà. Voilà, ah. voilà. Attends, vas-y, je peux refaire. C'est qui? C'est un monsieur qui voulait marier ou une femme? Non, ça, on peut jamais savoir. On va pas savoir ça. On peut jamais savoir. Ah, dommage. Écoutez. Vas-y, vas-y, je vais y aller, j'attaque. Allez, attaque. Alors. Comme ça, moi, j'ai ouais, fait. C'est déjà bien fin. J'essaie de lire quelques questions. S'il y a une prochaine émission avec un chef japonais, ça sert à. Ouais, fou. Parce que tu vois, ils apprennent. Mais on va si voir. Vous on voulez, va voir. Si vous voulez, je vais m'habiller en japonais, je peux la faire aussi. Hein. Hola mi noir. S'adapte, lui, d'accord. Alors là, c'est quoi? Alors, hola mi noir, c'est quel moment que l'on a? Ça va trop vite, hein. Je ne sais pas lire. Mais alors, aussi attends, vite, attends, moi. Attends. Je suis pas bon à lire, moi, en fait. Ils vont faire un énorme ravioli. Non, non, t'inquiète pas, on va vous montrer. Après, je pense qu'on va le plier sur eux-mêmes et qu'on va couper comme ça. Je pense que c'est l'idée. Si, si. Et voilà. On va faire plusieurs pâtes là-dedans, en fait, les gars. On va pas faire une seule pâte. Ah oui, d'accord. On va faire 2, 3, 4 différentes. D'accord, okay. Bien, non? Ah bah oui. Oh non, qu'est-ce que t'en dis, toi? Ah bah à fond. Donc là, regarde, les... ça sent moi, j'ai trop pas bon. Fait de sport depuis 1986, donc si tu veux, c'est ça bien. Ça sent trop bon, la tomate. Ça sent très bon, ouais. Tiens. Alors, il faut savoir que c'est 21h15, il nous reste une heure avant de déguster. Et on va faire aussi un tiramisu, tu savais ça? On va faire un tiramisu, oui. On va faire aussi un tiramisu, mais on va faire un tiramisu pour toute l'équipe. J'espère qu'ils ont fait le café tout à l'heure. Ah oui, ils ont fait le café. Tu l'as vu ou pas? Je sais pas où Guillaume l'a posé, mais il doit être par là-bas. Il est là. Ah non, ils sont là, parfait. Tout va bien. Ah, merci, messieurs. Tiens, je viens le chercher. Ah, ils sont beaux en plus, les cafés comme ça là. Trop bien. Ok. Donc, ce que je vais faire, je vais débarrasser au fur et à mesure les sauces tomates qui sont déjà vas-y, prêtes. Vas-y.
comme ça on peut avancer. C'est un plaisir à travailler. Non, ça va, t'inquiète, on commence à y arriver, tu vois. Ouais, ça va, c'est pas mal, hein. Il faut juste... Il faut que ce soit lisse, en fait. Un petit peu, exactement. Et donc, attention, reviens au parcours du pape, barman. Vas-y. Comme ça, on c'est passionnant, parce que nous, si tu veux, on a aussi des gens dans le chat oui. qui vont se demander comment on fait ton métier, comment on en arrive là où t'es. C'est ça qui est intéressant, c'est ton retour d'expérience, si tu veux. Pour faire mon métier, il faut être déjà fou. Oui. Un peu, tu peux pas être normal en fait. Faut pas avoir peur des heures. Faut pas avoir peur de se faire mal. C'est ça, exactement. C'est un plaisir. C'est un peu comme ça, effectivement. Et après, il faut être très passionné. Mais ce qui est bien, c'est que dans ce métier-là, vous avez un résultat instantané. Mais aussi dans les émotions. Ouais. C'est-à-dire que quand vous préparez un plat, là, on est en train de faire la sauce tomate, les pâtes et tout ça, vous avez déjà un retour émotionnel qui est assez intéressant. Bah, on sent là, les choses, là. On le touche, on le vit, c'est génial, non, c'est chouette. C'est exactement tout ça. Alors, c'est la sauce tomate artisanale. Celle-là, elle est aussi artisanale, mais avec des tomates qui ont été confectionnées au bon moment de l'année. Donc ça, je les mets de côté et j'étends pas. Donc là, ouais, c'est des tomates, c'est des datterini. C'est ça. Plutôt chouette. Les datterini, c'est les tomates cerises qui normalement sont en Sicile et en Calabre aussi, vous les avez. On l'appelle pacchino datterini, selon la forme. Tu commences, elle est bien, hein, c'est bien. Encore un peu et c'est parfait. Voilà. Et là, on voit que... C'est qu'est-ce le geste. Ça va, hein. Et la tomate cerise petite, c'est la tomate la plus sucrée. Donc on aurait utilisé une San Marzano haute, on a mis aussi une petite pointe de sucre parce qu'on est hors saison et donc forcément la tomate est un peu plus acide. Exactement. Mais autrement, juste la carotte suffit à sucrer ce qu'il faut votre sauce tomate. C'est très bien là, je vois que tu mets de l'intensité. Bah, j'essaye. Et donc j'arrive chez mon père parce que mes parents ils étaient divorcés. Comme ouais, tu m'as dit, ouais. Et mon papa était prof à l'école hôtelière. Et je dis, je le voyais jamais parce qu'il travaillait aussi les soirs ailleurs. Si tu veux que je continue un petit peu. Non, vas-y. Ouais, moi, je prends plaisir là. Et à ce moment-là, je dis, bon, pour le voir et pour rester un peu avec lui parce que sinon je le vois jamais, je l'accompagne au travail, tu sais. Okay. Et là, quand je l'accompagne au travail, il me met dans un coin et il me dit. Tiens, fais les tomates confites. Ah, ok. Donc, c'est ma première recette que j'ai fait quand j'avais 14 ans. Et j'ai trouvé ça magique. Pouvoir transformer un produit, les rendre plus beaux, plus bons, ça m'a donné l'envie de faire ce métier, en fait. Trop bien. C'est trop bien. C'est. Vas-y, deux secondes, je prends un petit coup de flotte. Parfait, moi aussi. Moi, j'ai ma beauté qui est là-bas, elle est grande. On fait un petit peu. Est-ce que ça va dans le chat? Est-ce que vous passez un bon moment? Faites-le nous savoir. Voilà, je vais mettre un petit peu. Donc, au laminoir, hein. Ouais, c'est bien le laminoir. Si vous avez des copains à la maison, exactement. Et tout le monde peut le faire, c'est exactement ça ce que dit Denis, c'est ça. C'est que si vous avez des potes à la maison, vous voulez le faire, là, franchement, on se donne, on se fait kiffer. Mais bien sûr. On pourrait aller beaucoup plus vite. Hein. C'est moi qui ai demandé à Denis, on a 2 heures à tenir, s'il te plaît. Pas trop vite. Prenons du plaisir et on y va. Exactement. Tout le monde va arrêter de regarder et la pâte va revenir à zéro. Non, non, on a même pu, tu sais, étaler l'autre partie, la sortir, machin. Ah oui, exactement. Mais nous, on est à l'ancienne. T'as fait une vidéo avec Pierre Sang, ouais. On embrasse, qui est fou. Ah oui, exactement. Il est taré, complètement. Et t'as pas fait la pâte la plus longue ou l'histoire, on a battu un record. C'est vrai, mais c'est dingue. On a fait une pâte qui était longue, je pense, 1 km. Énorme. On a étalé. Ah ouais, non, mais énorme. On était 8 personnes à la tenir. C'était la petite blague, quoi. Là, on garde les poils avec les sucs et tout ça. On nettoie pas parce qu'on va s'en servir après. Exactement. Okay. En fait, ce que je vais te faire faire, je vais te faire commencer à travailler le guanciale. Allez. Pendant que moi, j'ai fini la pâte. Voilà. Alors là aussi, attention, avec, je vais te donner un couteau. Vas-y, alors moi, j'ai le mien. Ah, déjà. Sinon. Vas-y, prends le tien. Et donc avec les guanciale, tu sais, on peut faire plusieurs recettes. Hein. Ouais. Alors la première, c'est la matriciana, celle que tu aimes bien. Ouais. Et après, j'en ai une que j'affectionne beaucoup, c'est la carbonara. Bah, on va vous montrer la vraie. Pas la carbo normande. La carbo, non. Comment tu dis? Carbonara. La carbonara, ragazzi. Mais sans la crème et sans les lardons. Hein. Voilà, tiens, un petit peu de gravité là, comme ça. Voilà, donc là on y est presque. Hein. Et après, tu vois, c'est comme ça qu'on peut manger et maigrir en même temps, toi et moi. Oui. C'est.
En fait, là, on peut dire, on a gagné notre repas. Ah, ouais, on là, peut tu le mérites manger. Ta tambouille. Là, il n'y a aucun problème. C'est là, ça, ouais. C'est ça, c'est ça. C'est un peu ça. Donc là, le guanciale, c'est. Le guanciale, c'est la bajou des cochons. Ok. Donc t'as le qui cochon est avec. Là, du poivre, wow. Elle est bien marinée, tu sais, pour bien la déshydrater aussi. Comment tu veux que je prépare ça? Je coupe un morceau ici. Toi, t'as pas besoin que je l'ouvre en entier. Non, non, exactement. Coupe comme un ça, morceau ça là. Attention, tes doigts toujours. On n'a pas de pansement. J'ai demandé si on avait des pansements non, tout à l'heure. Pas, je vais pas me couper. Je me coupe jamais après, en émission. On mettra du scotch si tu veux. Alors, les gars, ça commence. Hein. Franchement, les gars, ça commence. Alors. Voilà. Oh là là. L'odeur. Déjà. Et la beauté de cette chose. Alors. T'as fait un beau morceau déjà. Magnifique. Ce que tu vas faire maintenant, tu enlèves la petite peau. On appelle ça la couenne, tu vois. Ouais, ouais. Tu n'allais pas trop relever et attention toujours. C'est peut-être plus simple au couteau d'office ou pas? Ouais, tu peux au couteau d'office, bien sûr. Là, attends. Sinon, les gardes. Attends, non, fais pas jamais ça. Vas-y, montre-moi le bon parce geste. Que c'est moi, si je suis autodidacte. Si tu fais ça, les gardes. Si vous tu vas en buter sur ton pouce. Exactement. Donc là, tu le poses. Ok, stabilisé. Il me réapprend les bases. J'aime bien, et vas-y. Et tu travailles au tu vas vers les bas. Ok, très bien. Tu vas vers la planche. Jamais vers toi. Les couteaux, il faut que ça coupe jamais vers toi-même. Très bien, merci de me reprendre. Toujours vers. Comme ça, vous vous coupez jamais à la maison. Faites toujours attention. Et même quand vous avez la confiance, c'est là où vous pouvez vous couper. Bien sûr. Donc c'est ça qu'il faut pas. Je te remercie. Donc ça, par contre, on s'en sert pas dans les bouillons. Si. Bah voilà, on peut le faire, mais merci. J'y plonge dedans. c'est la magie de notre métier, c'est que rien ne s'éjette, tout se récupère. Bah ici, si, ici aussi j'enlève. Ça, tu peux garder parce que ça va bien saisonner notre pâte. Ok. Ouais. Et ensuite, tu en fais quoi? J'en fais des lardons, je fais quoi? C'est ça, tu peux en faire des lardons. Tu les coupes de l'épaisseur que tu aimes, que tu préfères. D'accord. En tout cas, c'est beau parce que tu tiens les doigts, les gestes du doigt comme un chef. Merci. Tu vois que tu plies bien les doigts comme ça. En fait, il faut savoir à la maison que c'est mieux, c'est coupé au niveau partie externe de la main plutôt que les pointes de la main. Les pointes, donc les pointes des doigts. Ouais. Quand tu te coupes la pointe du doigt, ça pisse les sangs que ça finit jamais. Ouais, c'est exactement et ça. Et tu peux t'évanouir parce que ça panique. Un choc, exactement. Quand tu te coupes, en fait, ou que tu te griffes, tu sais, quand tu tombes ou autre, c'est pas grave. Mm-hmm. Mais la pointe des doigts, c'est assez surprenant. Alors, je vais venir, pendant que tu coupes ça, je vais venir parler de la pâte fraîche. Donc vas-y. Là, on a une pâte fraîche, 2 œufs, 200 grammes de farine. Je vais couper toutes les parures, tu sais, tous les contours pour qu'on ait une pâte qui soit à peu près rectangulaire. Okay. Ok, pour qu'on puisse à nouveau tailler. Tailler, voilà. Mais ça, toi, déjà ça, ce que j'ai fait là, toutes les parures comme ça, coupées un peu à l'arrache, c'est déjà une pâte fraîche, les gars. C'est une pâte fraîche qu'on appelle mal tagliata en Italie. Ça veut dire les mal coupées. Ouais, okay. Mal coupées, on les a mal coupées. Voilà. Et c'est la première pâte qu'on mange dans les pâtes fraîches en Italie. Donc ça, c'est déjà une pâte. Et comment on les mange? On les mange avec un bouillon, avec une soupe, avec... D'accord. Donc tu sais quoi, ça on les garde de côté, parce qu'on va aussi les cuisiner. Vu qu'on a un bon bouillon qui est en train de mijoter avec toutes les parures qu'il y a. Tiens, regarde, je les mets là, et ça on va aussi les cuisiner. Donc là on a déjà une pâte, ok? Ensuite, on va faire des tagliatelles. Qu'est-ce allez, que t'en dis? Allez, bien sûr. Voilà, parfait. Donc je vais faire une bande rectangulaire. Donc là on y est. Quand on a notre bande rectangulaire, je vais saupoudrer des farines comme ça. Ok. Éviter que la pâte elle colle avec elle-même. Parce que je vais la rouler sur elle-même. Regarde. Là, on voit bien la caméra. J'adore que. C'est parfait. C'est parfait. Hein. Donc, vous laissez toujours une petite languette ici. Et là, on peut couper. Et donc, cette épaisseur-là, les amis à la maison, c'est l'épaisseur. Vous voyez? La largeur, excusez-moi plutôt. C'est plus français. C'est la largeur de la tagliatelle. Et donc, si vous faites plus fin, c'est la tagliolini. Si vous faites plus large, c'est la pappardelle. Donc, en Italie, donc on ne s'est pas trop embêté, tu vois. Toi, t'as la... Oui, mais toi, on voit que tu as l'habitude. Oui. Tout est fait pareil, tu tailles pareil. Dans tes restaurants, oui. Vous faites ça quotidiennement, au laminoir, j'imagine. Tout le temps. Est-ce que vous avez vu ça? C'est sublime. Alors, regarde, on les prend. Ça, vous pouvez le faire à la maison. Hein. Voilà. Et là, on a notre tagliatelle. Elle se tient. Et ça, c'est notre tagliatelle magique avec laquelle on peut la manger. Avec une sauce tomate, tout simplement, avec un peu de beurre, avec un peu d'huile d'olive et des basiliques. Alors ça, tu vois ça? Ma mère, ma tante, elles se voient une fois par semaine, c'est le dimanche. Ils se racontent leurs histoires des commères, on dit comme ça, non? Ouais, on dit comme ça. Et ils font les pâtes comme ça, sèches. Et après, ils mettent un ventilo ici, un ventilateur. Ouais, et ils font déshydrater pendant toute la journée. D'accord. Et ça, après, c'est sec, les gars. Quand c'est déshydraté la journée, et tu peux le manger dans 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. D'accord, ok. Autrement, tu les mets sur un plateau, d'accord? Vous mettez vos nids sur un plateau, bien séparés l'un de l'autre, tu le fous au congèle, et ça, pareil, ça tu le manges comme ça. À 6 mois.
Voilà, non, tu mets dans un sachet. Autrement, tu le manges directement le soir même. Tu les planches dans l'eau et tu le manges le soir même. Alors là, on a la tagliatelle, d'accord. Ensuite, est-ce que... Attends, on avait un fromage, non. On avait on a de la mascarpone en plus, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu peux prendre un petit peu de mascarpone, s'il te plaît? Bien sûr. Comme ça... Alors là, on va faire une autre pâte et c'est la pâte préférée pour des enfants. Thibaut. C'est quoi la pâte préférée des enfants? J'avoue, je sais pas. Les farfales, les papillons. Farfales. Ah, les papillons, tu vas les faire au couteau? Évidemment. Tu sais faire les papillons ou pas? Non. Les papillons... Je suis nul en art plastique, moi. C'est vrai? Ouais. Cuisiner, c'est peut-être le seul truc que je sais faire à peu près correctement. Attends, mais tu sais que moi, avant de te connaître, j'étais fan de toi, tu sais pourquoi? Je sais pas, j'ai peur. Non, non. Il a l'œil rieur. Non, pas du tout. Il a l'œil rieur. Pas du tout, je te jure. Ma femme, parce que moi je suis fan d'un dessin animé et je le garde depuis tout le temps, c'est Dragon Ball Z. Très bien. Voilà. Et ma femme m'a offert les livres. Livres, ah, j'adore. Il a du gastronomique à la maison. Exactement. Bravo, madame. Et sans les faire exprès en plus. Hein. Quel plaisir, ça m'a fait plaisir. C'est Sylvia qui m'a offert ça. Voilà. Et parce que j'adore ces dessins animés, je les garde tout le temps. Alors, regarde, à la maison, vous avez vos petits rectangles. Même si c'est pas parfait, pas précis, c'est pas grave en fait. Il y a autre chose ça qu'on peut dire, Thibaut. Moi ? Même au restaurant, j'aime pas quand mes gars vont chercher la perfection. Tu sais pourquoi ? Quand tu cherches trop la perfection, après les gens pensent, quand ils sont à table, qu'on a acheté la pâte et qu'on l'a pas fait nous-mêmes. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Je dis ou pas ? Tu veux qu'on voit le geste de l'humain ? Je veux qu'il y a que des les erreurs, gens se disent, voilà. C'est fait maison. Ouais. Tu vois un peu où on en est arrivé aujourd'hui ? Vous connectez les amis qui passaient les soirées avec moi sur ma chaîne Twitch ? On parle de ça régulièrement, on parle du fait maison, on parle du geste. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc là, les gestes, tiens, je te laisse faire à côté de moi, comme ça on les fait ensemble au même moment. Et vas-y. On voit avec la caméra. Tu mets ton pouce au milieu de la pâte. Voilà. Avec l'index, tu ramasses et tu serres. Exactement. Okay. Et ensuite, tu lèves les pouces, tu laisses l'index. Voilà. Et tu vas ramasser l'autre côté et tu serres aussi. Serre fort. Et là, tu as un petit papillon tout joli, les gars. Regarde-moi ça là. C'est pas beau ça? Pas beau pareil, mais pas mal. Si, quand même. Ça va? Quoi. Ah, c'est chouette. Ah, c'est chouette. Bien faire ça. Je vais faire ça dimanche avec mon gosse. Attends, je vais essayer de le faire là, la caméra, les gars. Attends. Je prends comme ça. Voilà. Mais après, si tu veux, tu le fais ici et elle peut zoomer jusqu'ici. Hein. Ah oui? Bien sûr. Attends, et Siri, là, elle est au taquet. Attends, on le fait jusqu'ici alors. What the fuck, c'est si simple. Ah, j'adore quand vous. Attends, regarde. Hop, voilà, exactement. Voilà. Magnifique. Donc, index, pouce et là, pareil. Je ramasse avec les pouces. Je serre très fort. Je colle bien, voilà. Et là, on a notre petit papillon, tout. Tout mignon. J'adore. Voilà. Tiens, trop mignon, c'est beau. Merci. Vas-y. Faire l'autre, les autres, comme ça, on les plie. On pousse au centre. Et on les plie, voilà. C'est plié. Et ensuite, ici. Ça vient. Exactement. J'adore. T'as vu comme c'est facile et beau. Donc là, on a déjà trois pâtes, hein. Les maltagliate, les tagliatelles et les farfales. T'as vu? On en fait une quatrième. On fait une pâte farcie. Mais je suis trop heureux. Pourquoi t'es heureux? Bah parce que en fait je fais jamais de pâtes à la maison. Parce que j'ai peur de rater. Il y a plein de choses que je cuisine beaucoup, des trucs beaucoup plus compliqués. Mais je fais partie de ces gens qui parfois ont peur. Alors pour ma communauté, il est vrai que j'apprends beaucoup de choses parce que j'ai envie d'être à la hauteur de ces gens-là qui me soutiennent. Et là je passe un excellent moment. Ouais, t'as mieux, ça me fait plaisir. Tu vois, on est bon là. Donc là, je t'invite à prendre un kit poule. Ouais. Tiens. On l'appelle comme ça aussi, non? Oui, exactement. Tu vas prendre deux cuillères. Deux cuillères, tu mets un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre et un pot de basilic haché dedans. Deux cuillères à soupe, deux cuillères à café. Deux cuillères à café, ça suffit. Et là, pareil, là, tu sais quoi, on va le faire rond. Est-ce qu'on a des verres à eau ici? Oui, tu les trouveras ou là. Ou là-bas dans la cuisine. Ok, parfait. Attends, normalement, peut-être... Tu m'as dit sel, poivre, huile d'olive et... Un petit pot de basilic haché dedans. D'accord. Non, mais c'est parfait, les gars. On fait semblant que ça, c'est un verre à eau. Nickel, okay. Ouais, bien sûr. Donc un verre à eau, vous retournez votre verre à eau, ça s'appelle comment ça? C'est un ramequin. C'est un ramequin, voilà, un ramequin en céramique. Et ça va être votre emporte-pièce. Comme ça, vous n'allez pas acheter les emporte-pièces, vous n'allez pas acheter, voilà. Tu vois, regarde, là, j'ai mon disque qui est fait. Ouais. On a découpé. Et là, avec ça, on va faire déjà un joli ravioli, tu vois. Tac. Donc toi, tu es en train de faire la petite farce. Et donc pour la farce, vous pouvez utiliser... de la mascarpone, de la ricotta, de la crescenza, un fromage à pâte tendre, du fromage de chèvre, c'est ce que vous voulez. Vous l'aromatisez avec du poivre, du sel, des baies roses, de la cardamome, tout ce que tu veux. Et tu mets les herbes que vous voulez, du basilic, de la coriandre, du romarin, de la sauge, c'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? Parfaitement. C'est facile. Donc vous donnez du goût aussi à votre fromage, vous l'assaisonnez.
Tu peux mettre même une échalote crue. Ok. Voilà, si tu veux. Donc on mélange bien comme il faut. Là, parce si je mets pas l'échalote, c'est parce que je suis pas d'accord. C'est parce que j'ai pas d'échalote. Si, si, nous, on a l'oignon. On a l'oignon, on peut... Ok. Donc regarde, je te laisse faire ça, pareil. Ok. Voilà, tu le fais aussi sous les autres. Vas-y. Tac. Chef. Voilà. Comme ça, on aura aussi fait des petits raviolis. Et là, on va faire un joli geste aussi, parce que tu vas kiffer là. Donc déjà, avec l'aide de l'eau, ça de l'eau en fait, vous allez mouiller la moitié de la pâte, d'accord ? Et vous allez plier sur elle-même la pâte. Donc ça fait une sorte de demi-lune. Déjà ça, à la maison, c'est une pâte fraîche, n'est-ce pas ? Farcie. Totalement. T'es d'accord avec moi ? Totalement. Alors, ça c'est déjà une. Donc là on est 1, 2, 3, 4. Là on a déjà 4 pâtes fraîches différentes. Et on va en faire aussi une cinquième. D'accord, parce que comme on est, comme on a le temps et qu'on est doué. Il s'appelle Denis toujours plus. Toujours plus. Vas-y, mets un peu. On m'appelle Duracell. Ma mère m'appelait comme ça quand c'est j'étais petit. Duracell. C'est vrai que t'as énormément d'énergie, c'est génial. Hein. Alors, comment tu fais après une journée de service et tout, mais t'es fort. Ah bah écoute, c'est parce que toi aussi t'es fort. Alors, regarde, t'as la demi-lune là. C'est bien parce que tu peux même la mettre de l'autre côté. C'est bien là. Tu mets le rond vers toi, c'est joli ça. Tu mets le rond vers toi. Alors voilà. Et là, regarde, maintenant que t'as ça, okay. Vous le voyez là. Va juste joindre les deux bouts comme ça. Regarde-moi ça là. Et là, c'est un cappelletti, mon chéri. Ah, j'adore, oh, 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 oh. J'adore. Ouais, regarde. J'adore. Regarde, on va faire un petit cappelletti. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5 pâtes différentes. C'est bon, on arrête là parce que sinon, après, ils vont dire après, on va ouvrir fraîches. Un resto et tout. Non, voilà, je sais pas, voilà. Hein. Ils vont nous saouler avec leurs pâtes fraîches et tout. Donc là, tu en arrêtes là. Où est-ce qu'on peut manger la cuisine de Denis Ambroisie à Paris? Alors, il y a plusieurs restaurants. On a Ida, 117 rue des Vosgiens, 15e. Ouais. Epoca, 17 rue Audine, on a le 7e arrondissement. Malraux, c'est dans le 3e arrondissement, c'est 7 rue Froissart. Okay. Quindici, 257 rue des Vosgiens aussi. Et on a un rooftop Il Volo à Convention, qui est extraordinaire. Il Volo, c'est volé. Ouais, j'adore. C'est trop beau. Et on a des cocktails de dingue aussi là-bas. Et voilà, donc on peut s'amuser. Alors, ici, maintenant, on prend la poêle. Parce qu'il faut savoir aussi que ma mère, comme elle a beaucoup des gens à la maison, elle ne fait pas beaucoup la vaisselle. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas lavés, tu vois. Et en même temps, on a les sucs de la tomate. Voilà, il y a tout là, il y a tout exactement. Alors, par contre, pendant qu'on va faire la pâte, vu que c'est déjà 21h30, on va commencer à faire notre tiramisu. Voilà, parfait. Tu prends la machine, elle est où ? Le. Ah, le batteur, il est là-bas. Le batteur est là-bas. Il faut qu'il soit branché ici ? Oui, mais oui. Il faut le brancher là ou pas ? Je ne sais pas. Il y a une prise au sol là. Si t'as assez de câbles, t'as. Ouais, non, mais c'est bon, c'est bon, on reste là. Il est déjà branché, on est d'accord. Oui, exactement. Ils sont gentils. Hein. Vérifie. Normalement, vérifiez-moi. Ils ont été bons et l'ont branché normalement. Il y a des chances que oui. Parce qu'on va faire. Brancher. On va faire un tiramisu express, d'accord. Ok. Un tiramisu express et il nous faut. Attends, est-ce que j'ai mon portable quelque part? Vas-y. Si je t'avais donné la recette oui. Ou pas en fait Oui, bien sûr. C'est vrai? Non. Non. Oui, bien sûr, non. Non, je l'ai parfait. La recette, mais je ne l'ai pas avec j'ai moi. J'ai mon téléphone qui est là. L'équipe qui est derrière, là, est au taquet, il nous suit. Je pensais qu'il était déjà en train de dormir sur le canapé. Non, il bosse. Il y a Stéphane qui est là, qui regarde. Regarde-le, le pacha derrière la caméra, là, dans le canapé. Coucou. Moi, tu sais, j'aimerais bien embaucher Stéphane pour faire les Papas Noël. Non, vous avez déjà vu parce qu'il a une barbe blanche, notre ami Stéphane Béjanès. Il est trop beau. Tu l'amènes dans la maison, tes gosses, ils kiffent. Hein. Mais bien sûr, ils l'ont adoré, ils l'ont appelé Gandalf. Quand il est venu à l'image. Gandalf. Alors, on a combien de mascarpone là? Alors attends, j'avais pas la recette, mais j'avais la liste d'ingrédients. Ah, bah oui. Normalement, il a acheté la quantité. Tu t'es fou de moi là, tu parles de la recette, mais on n'a pas besoin de faire la recette comme ça. Ah, on n'a pas besoin de la recette. Ok. Bon, elle est. Vas-y, dis-nous. 21h33, parfait, on est dans la. On est bon. Alors, il me faut dedans. 100 g de sucre, on commence par ça. Le sucre, bien sûr. Non, tu sais quoi, on commence par la crème. 250 g de crème liquide. De crème liquide, ouais. 220 et 200, 200 g, c'est combien ça? Ça, c'est 200. Donc là, on met un tout petit peu et puis voilà. Ah bah parfait, c'est bien. C'est là, t'as raison. Ouais, je crois. Hein. Ah oui, vas-y. 20 centilitres, les gars, les équivalences. Hein. Et tu mets à monter ça, d'accord? Bien sûr, chef. Alors, pendant que tu mets les 250 g de crème à monter... Tu connais l'histoire du mec qui ouvre un bouchon mais qui casse pas l'opercule à l'intérieur ou pas? Ça, c'est du talent. On appelle ça du talent. Et Lazare a du talent. Voilà. Vous savez on, bah, oui. Tiens, regarde, c'est bon. Il m'énerve, il l'a fait. Toujours pas. Voilà. Vas-y, je vais me démerder avec un canif. Non, mais c'est bien, 200 grammes, ça suffit. T'es sûr? Ouais, t'inquiète pas. Ça va aller, ça va aller. Parfait. Non, t'inquiète. 200 grammes, ça va aller.
Donc tu les mets à monter s'il te plaît. Là j'ai la poêle qui commence à fumer. T'as dit 250 hein. Ouais tu peux aller 250. Et je vais mettre mon guanciale que Thibaut a généreusement coupé. Sans matière grasse, sans huile, sans beurre, sans rien. Il n'y a pas besoin d'ajouter du beurre ou des trucs là-dedans ou de l'huile parce que le guanciale est déjà bien gras comme ça et il va lâcher tout seul sa matière grasse en fait. Et c'est cette matière grasse-là qu'on va utiliser aussi pour cuisiner, d'accord ? Alors, là on a dit que tu mets à monter les 200 grammes de crème liquide chef. Crème liquide chef, parfait. Tu la montes comme si c'était une petite chantilly, d'accord ? Moi là je fais les venir bien comme il faut là, mais tu sens comme ça sont bons quand même. Ouais. C'est pas mal. Hein. Très bon. Ouais. Ok, t'as branché ? Ouais. Parfait. Bon, on a un problème chef. C'est quoi le problème chef ? Ça marche pas chef. Non, c'est vrai ? Non, je te jure, j'ai branché. Ah, ok. Mais je vais le monter à la main. Hein. Eh non, tu branches là, non ? Branche là, ici, là. Je pense que c'est une histoire de prise. Ça, c'est quoi, ça ? C'est qui, ça ? Ça, c'est pour faire tourner l'assiette à la fin. Mais alors, tu la débranches. De toute façon, on n'est pas encore à la fin. Bien sûr, chef. Regarde, moi, je fais bien revenir mes petits lardons de guanciale. Et à la maison, c'est pas du lardon, c'est du guanciale. Il faut faire bien attention. Ah oui, bien sûr. Tiens, regarde, tu la passes par là. À mon avis, on y arrive. Hein. Regarde. Alors ? Si, si, si. Attends. Pas. Non ? C'est vrai ? J'ai une idée. T'as une idée ? Bah, je sens que je vais la monter à la main, tu vois. Ok, vas-y, vas-y, tu commences. Mais commence comme ça, j'avance, j'avance sous les plats et tout ça, quoi. Si tu veux. Vas-y, vas-y, bien sûr. Ok. Ah non, ça marche. Il manquait une pièce. Il manquait une pièce ? Parfait. Par contre, à la main... Attends, deux secondes. Je t'ai fait monter autre chose à la main. Vas-y, vas-y, non, je vais la brancher là-bas parce que sinon on va pas s'entendre. Ah bon ? Ouais. Ok. C'est bien, j'aime bien quand on improvise comme ça et tout, c'est top. Mais oui ! C'est ça les beaux du direct. Mais oui, tout. Ah bah là totalement les Donc, gars. Donc les amis, là on a mis 200 grammes de crème liquide à monter. 250. Ça sent bon. 250. Ouais. Et là je vais mettre 100 grammes de sucre et 100 grammes de jaune d'œuf à battre. D'accord ? Est-ce que t'as les 100 grammes de jaune d'œuf ? On les a ici les gars. Ils sont là les jaunes. Parfait, tu peux les mettre dedans. Tiens, tu mets les blancs d'œuf ici chef. Les blancs et les jaunes là ? Et les jaunes directement dedans. Et la coquille, tu la mets ici, regarde. Alors, regarde toute la matière grasse que ça m'a lâché là, tu vois. Carrément. Ça, c'est. Les gras, c'est la vie, hein. On peut dire ça ou pas ? Ah, bah, bien sûr, ah, bah, totalement. Donc, c'est pour ça que nous, on est la vie. On est d'accord ? Totalement. Alors, je vais encore cuire pour que ce soit bien croustillant, bien bon, bien doré. Et je vais quand même préparer à part un bon papier là, avec sur une assiette pour pouvoir éponger l'excès des gras. D'accord. Ok ? Donc là, tu as dû arriver à 200 grammes. Ça marche, chef ? Ça marche. Attention à la crème. Hein. Non, ça va aller. J'ai mis pas trop fort pour qu'on puisse suivre. Ouais, parfait. Donc là, regarde. On y est. Tac. Je vais essayer de débarrasser un maximum de graisse, là. Donc si vous avez aussi, comment on appelle ça, un chinois étami ou autre chose. Exactement. À la maison, voilà. Autrement, vous faites comme moi. Un petit peu de patience. Et là, tac, papier, l'excès des gras va être récupéré. Là, j'ai la poêle ici, mon chéri. Et là, la poêle ici, je vais mettre la première tomate, d'accord ? Regarde-moi ça, là. Ça sent tellement bon ! Ça sent la vie, ça. La première tomate, sous laquelle je vais ajouter quelques morceaux de guanciale bien croustillants dedans. Pas tout, hein. Voilà. Vous voyez, je mélange. Et ça, c'est déjà notre matriciana. Et on va la servir. La matriciana, c'est vraiment sauce tomate classique. On va la servir avec les farfalle. Moi, je commence à cuire des choses. Comme ça, on aura... Là, vous voyez qu'en fait, plusieurs il se dit, est-ce qu'on va être à l'heure ? Il s'est posé... Et bim. Non, parce qu'on va faire plusieurs choses différentes. Donc forcément, on aura le temps de voir autre chose aussi. Baptiste, tu peux ouvrir la fenêtre, s'il te plaît ? Il y a la fumée, non ? Si ? Il y a un peu de fumée, on n'a pas de hot. On n'a pas l'extraction ? Alors, bon, ça, faut pas le dire, mais... Donc, on pourrait pas cuisiner, alors ? Non, on pourrait pas faire un restaurant. Regardez ici, dans la 194, casserole. 194, je vais jusqu'à 200, chef. Non, c'est parfait, bon chef. Attention à la crème, toujours. Donc, regarde ici, les farfalles sont déjà en train de monter en surface. De monter à la surface, ça veut dire qu'elles sont cuites, alors ? Exactement. Donc, ça prend la pâte fraîche, cuite en 45 secondes, t'as vu ? D'accord. Nous, on va cuire une petite minute, quand même. Enfin, je vais contrôler la crème. Vas-y, j'allais y aller, ouais.
Parfait, ça va encore. Ça va encore. Ouais. Donc là, regarde, je récupère les jolis farfalets qu'on a là. Tu vois. Alors, tu sais quoi, on va déjà dresser un assiette. Est-ce que je fouette ça? Je oui, monte ça? Tu mélanges, oui, avec un fouet, s'il te plaît. Regarde, là, j'ai mes petites farfalets, chef, que je vais mettre dans mon assiette. Allez. Et du coup, tu utilises même pas un petit peu d'eau de cuisson des pâtes pour là où on n'a pas non. mis assez de pâtes? Ça, on va faire deux, trois dressages différents. D'accord. Comme ça, on va montrer à la maison vraiment comment on peut les faire, tu vois. Tac. Regarde. Je fais blanchir, en fait, là. Oui, exactement. Tu fais blanchir tes jaunes d'œufs et tes sucres. Oh, le terme blanchir, tu peux l'expliquer aussi. C'est un terme pour définir cette zabaglione qui va se créer entre les jaunes d'œufs et les sucres, n'est-ce pas? Comment tu dis zabaglione en italien? Zabaglione. Avec un Z. Un Z. Est-ce que nous on dit zabaglione? Zabaglione, je sais. Et j'ai entendu ton Z, c'était beau. Le zabaglione. Le zabaglione. Le zabaglione. Alors, regarde, là. Qui est une émulsion, voilà. Vu qu'on a gardé une sauce tomate qui est artisanale. Ouais. Et qui n'est pas lisse. Si on voulait une sauce tomate lisse, on aurait dû la mixer, en fait. C'est ça. Voilà. Là, on a gardé vraiment une sauce tomate à l'ancienne. Tu vois. Là, déjà, comme ça, on a nos pâtes magnifiquement bien faites. Avec la sauce. C'est beau, hein. Et ça sent très bon. La sauce, et on peut dire, est aussi... C'est bon, là? Non, je... Et les guanciale, donc on a une matriciana ici. Regarde, je vais mettre un petit bout de... T'avais une micro-pène là qui traînait, non? Voilà, là, 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 là. On a un petit bout de fromage râpé là. Ah là là! Ça commence, ça commence! Donc ça, c'est déjà une première pâte, mon chéri. Et on avait... Attends, basilic ici, les gars. Hop là, c'est parfait. Ah bah, c'est, ça va là? C'est bien, c'est bien. Donc ça, c'est déjà une première pâte. Tiens, ouais. Voilà, voilà, parfait. Bouge non, pas, non, toi. Non. Toi, bouge plus. Je bouge plus. Voilà, on est bon. On est bon. Donc ça, la première, tu peux la mettre là sur la tournette si tu veux. Sur la tournette, si ouais. Tu veux. Parfait. Ou je la rebranche. Ok, tournette en place. Ok. Ensuite. Ça va? Tout se passe bien? Tout se passe bien. Est-ce qu'on a un mixeur plongeant? Ah. Ça, c'est une bonne question, non? Oui. Si t'as un mixeur plongeant, c'est chouette. Tu sais pas? Attends, j'arrive. Je cherche. Chef, on cherche. On y va, allez, le mixeur. J'adore. Sinon, laisse tomber. On va faire au fouet. Non. Ne me dis pas que t'as un mixeur plongeant ici. Oui. Ah non, mais c'est génial. C'est génial. Franchement, est-ce que tu peux brancher également, chef, ou pas? Là-bas. Et comme commis, tu vas transpirer ce soir. Hein. Chef. Ok, on a une prise, là. Parfait. Est-ce qu'il marche? Ouais, il marche très Allez. Bien. Alors, regarde. Je te laisse mixer ça. Okay. La sauce tomate. Parfait. La crème est presque montée, on est d'accord. Voilà. Bien, bien monté. Et là, je vais mettre mon café à chauffer. Donc, en amont, pour le tiramisu, on a fait du café, des espressos. Comme ils sont un petit peu froids, on a besoin qu'ils soient chauds. Voilà. Merci, chef. Et on a même les plats déjà prêts, les gars. Alors, dès que tu as fini de mixer la sauce tomate, c'est déjà parfaite. Merci, chef. C'est moi. Tu peux récupérer la crème qui est déjà montée. Tu vois, c'est bien. Ça, c'est les coups de chaud, les coups de fou du service. J'aime bien, hein. j'aime bien. T'aimes bien ou pas? Bien sûr. Alors, là, j'ai mis à chauffer. On a les jaunes d'œufs battus avec du sucre. On a la crème qui est prête, on est d'accord. Ici, j'ai l'eau qui bout pour cuire les autres pâtes. De toute façon, on va y arriver. On a la sauce tomate qui est mixée. C'est 21h43. Dans 30 minutes, on aura fini. On va déguster. On va finalement manger. On est d'accord, chef? Ah bah oui, oui. Voilà. Ça te va, ça, ou parfait, pas? C'est parfait, pas plus. Ok, pas plus, en fait. Faut pas trop la serrer. Non, parce qu'en fait, il faut que cette crème de tiramisu, il faut qu'elle soit un peu tombante, tu vois. Ok, d'accord. Il faut pas que ce soit trop ferme. Pas que ce soit trop ferme, ok, très bien. Autrement, si elle est trop ferme, on pense qu'on a mis de la gélatine dedans. Ok, ok, oui. On revient toujours au discours de tout à l'heure, de dire qu'il ne faut pas que ce soit toujours trop parfait. Ok. Voilà. Donc là, c'est ce que je vais t'inviter de faire. Tu vas ajouter... Chef, j'écoute, hein. Vas-y.
Tu vas ajouter les jaunes d'œufs dans la crème, petit okay. à petit, tu mélanges. Et une fois que tu as fait ça, on va ajouter aussi la mascarpone. On a les trois ingrédients comme ça à ajouter. C'est bon ou pas? Bien sûr. Ok. Là, moi, ce que je vais faire aussi, de l'autre côté, je vais enlever un peu tout ça. Tac, tac, tac. Mais ici. Et après, tu sais ce qu'on va faire aussi après, mon chéri? Dis-moi. Quand on aura fini, on va faire aussi la plonge quand même. Bah, bien sûr. Non? Bah oui. Comme ça, on laisse tout propre pour les prochains qui vont venir. C'est bien ça, c'est pas comme les gars qui étaient avant nous, qui nous ont laissé leur plonge. On les embrasse. Faut pas balancer comme ça, mon chéri. Ah si, si. Attends. Moi, la bienveillance, ça va deux minutes. Hein. Quand je fais la vaisselle d'une assiette que j'ai pas mangée, il y a bagarre. Ah ouais, la prochaine fois, on va te laisser une. Tu laisses une l'assiette. Assiette. Si je dois la nettoyer, je la nettoie de bout en bout, tu vois. Voilà. Alors, tac. J'essaye de garder tac. Le. Parfait. Un côté aérien, ça te va, c'est ça? C'est parfait, exactement. Okay. Appétit. Donc là, il y a les blondes d'œufs qui restaient. Les blondes d'œufs, vous ne les jetez pas. Vous mangez, le lendemain matin, vous faites une omelette aux blondes d'œufs. C'est moins gras. Omelette soufflée, bien sûr. Ça, vous n'allez pas devenir comme moi. Non, mais on est beau, nous. Je ne sais pas de quoi tu parles. Nous, on est généreux, c'est vrai. C'est exactement. Vrai. Et autrement, vous pouvez faire de la meringue. Vous la montez au KitchenAid avec un petit pot de sucre. La meringue, oui, exactement. Meringue, merci. L'accent m'est trahi un petit peu. Non, mais attends, ton accent, il est magnifique, il est beau. Je mets ça au frigo, on est d'accord. Bien sûr. Comme ça, tout à l'heure, on va. L'intérêt de mettre au frigo aussi le blanc d'œuf comme ça, c'est qu'il va se détendre en fait. L'albumine, tout ça, elle va se détendre, elle va travailler. Et en général, quand on fait de la pâtisserie, c'est bien d'utiliser des blancs d'œufs qui ont un petit peu reposé. C'est en Mercotte fait. Qui dit ça. Tu connais Mercotte? Exactement, ouais. C'est une copine. C'est vrai, c'est une copine moi, à toi. Je l'appelle mamie. Ouais, c'est tout. Je l'aime tellement, cette fille, vraiment. Elle est trop chouette, trop sympathique. Alors, ici, on a notre petit jus de tomate. Là, tu as la petite crème qui est ça bien, c'est bien, c'est nickel. Tu mets un petit coup de maryse? Non, parce que là, on va ajouter la mascarpone. Okay. Et après, tu vas mettre un peu d'énergie dedans. D'accord. Et en fait, c'est exactement la mascarpone qui va t'aider à avoir un bon épaisseur, exactement. Tiens, la mascarpone, moi j'adore. Tiens, je te laisse mélanger. Et là, pas peur, pas de panique, tu peux y aller, hein. Aller jusqu'à quand hein, quelque chose de plus ou moins homogène, voilà, et tu continues jusqu'à quand tu arrives à épaissir un petit peu plus. D'accord. Ok, alors là on est 21h46, c'est ça hein. on est bien, on est trop bien même. Regarde, j'ai mon café qui est chaud. Ok, alors j'ai fait quand même attention, surtout à la maison, parce que maman après peut gueuler. Moi je mets un petit papier parce que vous pouvez cramer votre plan de travail. Donc, exactement, moi, je mets ça dessus. Là, on voit, je m'approche de toi, comme ça on voit bien, là, parfait. Donc ici, on a nos boudoirs. Et les boudoirs, c'est un biscuit. Normalement, c'est parfait. Oh là 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 là. Un petit peu plus, légèrement. Bien sûr, chef. Est-ce que tu as une petite pincée des fleurs de sel? Oui. Ça, c'est une autre astuce des chefs que je vous donne. Pour serrer la dessert. Ça oui, tu peux même. Ok, bien sûr, attends. Dans tous vos desserts, que ce soit à base des chocolats ou à base des crèmes. Ah bah crèmes, oui, bien sûr. Tu mets un petit peu des fleurs de sel, une pointe. C'est un exhausteur des goûts, ça va vous donner un goût incroyable à vos préparations. C'est parfait. Magnifique. Donc, les biscuits rassis, donc les boudoirs, par exemple, si vous imbibez dans un café froid, il ne s'imbibe pas. Bien sûr. Dans un café trop chaud, il va se casser. Il faut un café qui soit tiède. Ok. Donc, moi, je le plonge, je le soulève directement, tu vois. Et là, elle est parfaitement imbibée. Tac. Il faut faire attention à ne pas se brûler les doigts non plus. Hein, exactement. Il est quand même chaud, les cafés. Donc, tu vois. Dit-il, trempant ses mains entièrement dans la casserole. Ouais, après nous. T'as la vie, c'est plus pareil. Exactement. T'as une relation. Là, la crème, elle est parfaite. Tu peux la goûter, s'il te plaît, pour voir si elle est bonne. Oui. Oui, mais. Parce que toi, tu peux la goûter. Pourquoi? Moi, je suis allergique au lactose. Non. Je suis intolérant au lactose. Alors, je veux bien, mais tu me laisses deux secondes. C'est-à-dire? Bah, je vais juste prendre un cachet de lactose. Ok, parfait. Comme ça, je peux manger. Non, mais c'est vrai? Ouais, bien sûr. Pas ça. Non, mais depuis quelques. Me dire, attends, bah non, non, attends, déjà, ça me regarde. Et puis. Bon, et donc, puis, à la maison, vous savez, il ne faut pas offrir des pâtisseries à Thibaut. Si, si, mais c'est, si. Je dois les choisir, quoi. Si, mais quand vous offrez les pâtisseries, vous achetez un paquet des. Voilà. Des médicaments à la pharmacie. Non, mais tu sais, depuis quelques mois. Bon, ma chérie, c'est pareil. Prendez quelques mois, j'ai un souci avec le lactose, mais vraiment, je me suis rendu compte, ça me rendait malade. Genre, donc, c'est-à-dire, t'as mal au ventre et tout ça. Ah, bah ouais, t'es en condition de combat, en fait. Ton estomac, enfin, ton système digestif n'arrive pas à le digérer. À travailler la protéine, enfin le sucre en fait. Et du coup, bah voilà. Donc, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on va voir un médecin. Et puis ensuite, on fait comme moi, on prend un petit cachet de lactase et on donne à son système digestif l'enzyme, tout bêtement. L'enzyme pour pouvoir. Là, je vous révèle des trucs vraiment perso, mais c'est plus parce que je veux pas le mettre dans l'embarras qu'ils comprennent. Voilà. Merci beaucoup, c'était trop aimable. Et t'étais pas obligé. Hein. Ah, mais ça me paraît normal, j'ai envie en fait. Mais attends, il faut qu'on attend un moment avant que tu. Non, ça va. C'est au moment où je.
je mange la crème, que ça arrive au même moment dans l'estomac. Alors, là, je suis en train de casser maintenant mes biscuits pour essayer vraiment d'avoir un maximum. Hop là. Couvrir un maximum la surface. Alors, c'est comment ? Bah, c'est parfait. On sent, c'est suffisamment sucré, mais on a encore le goût de la mascarpone parce que le sel, je pense, amène ça. Non, c'est génial, c'est très bien. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Alors, regarde, là. On y est bien, là. Alors. Moi, c'est que j'aime bien faire aussi à la fin. Moi. Parce que les cafés, on est d'accord, on ne l'a pas sucré. Non. N'est-ce pas, mon chéri ? On n'a pas non plus mis de. Il ne faut jamais sucrer le café. Hein. Et moi, je viens ajouter. Non, non. Parce qu'il faut qu'on ait un contraste avec la crème, en fait. Bien c'est sûr. Ça qui est beau. Sinon, tout est trop sucré. Voilà. Et là, j'en mets encore une petite couche parce que j'aime bien qu'elle est un peu imbibée et que tu vois un petit peu la flotte aussi. Exactement. Au fond de la. Combien de mascarpone on a mis ? 200 grammes aussi ? Exactement. Tant des crèmes, tant des mascarpone. Voilà, un temps pour temps. Exactement. Ça, tu peux le ranger, on va le manger demain, toi et moi. Oui, c'est ça, on est d'accord. Voilà. Est-ce que tu peux m'amener les cacao aussi, mon chéri ? Bien sûr. Et là, regardez, j'ai la crème et je vais tout simplement mettre la crème sous le tiramisu, là. On dirait qu'on a fait la dose parfaite pour la casserole. Bizarrement, c'est comme si tu savais pas ce que tu faisais. Ouais, exactement. Je sais pas pourquoi, mais. Et on l'a pas essayé avant. Tu Alors, pourquoi, une pourquoi j'étape, les gars ? Tu sais pourquoi ? Pour l'air, non ? Exactement. Comme ça, on a vraiment quelque chose de. Qui est homogène, qui tombe bien. Voilà. Donc tu veux récupérer ça à la Maryse ? Ça, on le récupère, on fait une tasse pour les messieurs barbus exactement, derrière. Exactement, je veux ça, bien. Il va goûter notre crème minute. Donc ici, j'ai l'eau qui bout. Je vais mettre maintenant à cuire mes raviolis de toutes formes différentes. Et ça, c'est une autre pâte qu'on est en train de faire. Voilà. Avec la sauce tomate classique. On n'a rien mis d'autre que la sauce tomate. Il n'y a pas le guanciale dedans, il n'y a rien d'autre. Et ça, on va le dresser ici. Donc il nous reste 21h50. On a du temps, on peut faire encore autre chose. Hein. Moi, j'y vais. Hein. Tu me chauffes Oui, je sais que toi, t'es parti, on est parti sur prêt, un service, là. Moi, je suis prêt. Attends, parce qu'après, il faut qu'on dresse les trucs. Il faut que tu nous montres le dressage. Regarde, on dresse au fur et à mesure. On va, de toute façon, tu sais, comme un top chef, on mange froid. C'est vrai, il le révèle, il le dit. Ben oui, je le dis. Et donc, nous aussi, tu vois, là, les trucs sur la tourette et tout, ça, c'est obligé. Bah, les packshots, ouais. Et oui. Voilà, et donc, malheureusement, on mange froid. Alors. Ah, et on a un débit parole, on a un débit. Là, tu découvres mon métier à moi. C'est ça l'histoire. Et je suis italien et j'adore parler. Hein. Ah oui, c'est vrai, mais moi j'aime bien. J'aime bien parce que j'ai toujours été le plus bavard dans ma famille. Ouais. Et c'est bizarre ces familles-là où tout le monde te reproche de trop parler, mais quand tu fermes ta gueule, personne ne se dit rien. Et du coup, tu dis, bah, je vais meubler quand même, on dit qu'on s'en occupe. Alors attends, je passe les cuillères à l'arrière. J'ai juste envie de dire que Siri, elle est extraordinaire, la maison, parce que. T'as vu comment elle t'a suivi ? Elle était avant toi. Elle a fait la mise à feu avant et tout, c'est truc des ouf. Hein. Ah, ben voilà. Franchement. Ça, c'est parce qu'on travaille avec des professionnels. Il y a du talent. Il y a du talent derrière et ça me fait plaisir. Alors, là, ce que j'ai fait, je mélange là-bas, sur la première recette, on a mis la sauce sur les pâtes. Oui. D'accord ? C'est quelque chose qui se fait. Mais surtout sous les sauces qui sont un peu denses, un peu épaisses, d'accord, chef. Ensuite, quand on a des sauces sous lesquelles on peut cuire aussi les pâtes à l'intérieur, c'est toujours mieux. C'est-à-dire que je donne une pré-cuisson dans l'eau et j'ai fini la cuisson dans la sauce. Ok. Comme bien ça, sûr. La sauce elle rentre à l'intérieur de la pâte, elle est encore plus gourmande. Elle imbibe en fait. Voilà. Alors là, il faut juste du cacao et c'est parfait. C'est tout, ok. Cacao. Parce que moi, j'étais en train de ranger les plantes et j'étais en mode, ok. C'est bon, c'est propre, regarde, chef, on y va. Regarde. Mais oui. Ouais, voilà, et bim, on a. Là, on a fini en fait. Non, on n'a pas. Là, non, on a fini. Ça, le tiramisu, on le met au frigo fini. Et on fait la portion à 22h15. Comme ça, on lui donne même 20 minutes de repos. Ça me va. Hein ? Et on donne aussi un repos à notre tiramisu. Est-ce qu'on a un congélateur ici ? Oui. Alors, tu le fous au congélateur si ça rentre. Si ça rentre. Tu le fous au congélateur, comme ça, la crème en fait. Elle va prendre un peu. La mascarpone qu'on a travaillée, elle va un peu figer. C'est un peu comme les beurres que vous avez à la maison, les amis. Quand vous le sortez du frigo, les beurres, elles deviennent tout mou, tout tendre. Quand vous le mettez au frigo, il est bien dur, bien sûr. Pas figé. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre 15 minutes qui nous restent là, dans le congélateur. Comme ça, il va bien figer. Alors, ça va ? Tout se passe bien ? Tout se passe très bien. Moi, je passe un moment fabuleux. C'est sûr, très concentré en général, c'est moi qui fais tout le blabla. Ouais. Et en fait, là, les gars, c'est génial, j'adore. Quoi ? C'est moi qui fais le blabla ? Ah non, mais toi qui parles, toi qui m'apprends les choses, et franchement, c'est un pied génial. Je m'éclate. Tu m'es dit, hein ? Non, j'adore, continue, surtout, okay. On apprend plein de trucs. Alors, donc là, on a notre pâte qui est en train de mijoter dans la sauce tomate, d'accord ? Bien sûr. Et je vais râper mon grana padano
pour aromatiser, lier, alors, tout ça quand même aussi. Ça. Alors, si vous voulez, il y a dans le nord d'Italie, on a des personnes qui mettent aussi un petit peu de beurre pour rendre plus baveux, plus crémeux. Mais moi, quand tu mets le granat et le fond, ça ouais, fait en ça sorte... Ça fait le lion, tout ça. Les lions et tout ça, voilà. Regarde, là, on l'a déjà entre liens, c'est extraordinaire. Ça, c'est très beau. Ça va ? Là, on a fait un dîner pour 10 personnes, là, déjà. Bah, je pense. Mais on est encore... Donc, je les mets au congélateur, voilà. Donc, ici, j'avais un petit torchon humide. Là, tu fais l'éponge ? Oui, oui, mais c'est plus parce que on est sur une surface, tu sais. La surface, c'est l'extraordinaire. Alors, tac. Ah, c'est un parquet, quoi. Regarde-moi ça. Toujours pareil, je viens avec ma casserole. Un support, pour voilà, pas brûler le plan de travail. Fais attention. Et là, on va dresser. On va cuire à soupe. C'est là, je pense. Et là, pareil, les amis, on est sur du traditionnel, on est sur du classique. On ne fait pas des trucs hyper élaborés. On ne va pas dresser, on ne va pas faire les trucs un peu casse. Vas-y, mais j'aimerais bien que tu essayes un peu. Ah c'est bon chiant ou pas? Non, mais bon, en fait, plus j'y vieillis, Thibaut, moins tu as envie de te prendre la tête. C'est ça. Plus tu veux qu'on aille à l'essentiel. À l'efficacité. Voilà. Mais malgré tout et malgré toi, tu es quand même en train de faire une composition. Si, en fait. Ça, c'est le sport, en fait. Ça, non. C'est l'expérience, les gars. Parce que là, il vous dit, il pose, mais il pose pas comme quand toi, tu poses. Tu vois, non. Pas pareil. Non, tu poses des façons, voilà, à que ce soit. En fait, je t'explique. À la maison, astuce. Tellement bon. Caméra les gars. Dure. Les gars, ouais, mais non. Mais non, mais ils sont trop forts. Oh, papa. Voilà. C'est pas possible. Alors, il faut une délice. Après, c'est juste ma perception vas-y, des choses. Vas-y. T'as un tableau. L'assiette, c'est ton tableau. Donc, t'as la corniche autour. Comment on appelle ça en français? Le cadre. Les cadres. Donc, les cadres, il est toujours bien équilibré par rapport au tableau qui est à l'intérieur. Exactement. D'accord. Donc là, tu as les cadres autour et tu laisses le même espace de tous les côtés. Okay. Quand tu dresses au centre. Ensuite, grâce à Top Chef, on a vu qu'on dresse sur le côté, on fait nos beaux gosses. Florent Laden, il fait que les bords d'assiette. Les bords d'assiette. Voilà. Comme ça, il économise les portions, tu vois. Voilà. C'est bien. Ouais. Il y a une raison à ça. Je sais. J'ai compris la blague. Non. Ouais. je l'aime en plus, je rigole. Mais tu vois, tu fais un petit équilibre et c'est toujours une question. C'est comme les visages des gens, c'est comme la coiffure des personnes. C'est la coiffure attends, j'ai bougé, désolé. Vas-y, continue. C'est la coiffure en fait qui fait si que t'es beau ou t'es pas beau, tu vois. Et bien sûr. Donc quand t'as une belle coiffure, c'est comme les pattes, tu peux arriver à trouver. Et donc là, pareil, on peut venir prendre quelques petites feuilles, tu vois. Et tu fais ton beau gosse en fait avec les finitions. Voilà. Pas besoin des trop chichi, des trop machin. En plus, les basiliques c'était un peu à la base de notre recette. Donc, on fait vraiment un rappel cohérent à l'assiette. Et là, tu as toutes les couleurs de l'Italie. En voilà. Et là, c'est attends, ouais, voilà. Bouge plus. Ah, bouge plus. C'est eux qui bougent. Voilà, là, c'est l'amour, là. Voilà. Parfait. Voilà. Oh, c'était quoi, ça? C'était beau, ça. C'était pas mal. J'ai eu peur, presque. Alors. Voilà. C'est... Je la déplace, je la change sur la tournette. Si, tu peux. Les amis, en régie, si jamais vous voulez prélever quelques assiettes, venez manger tant que c'est... c'est énorme. C'est une vraie personne. Je sais pas, je crois, oui. C'est beau, c'est une vraie personne. Alors, ce que j'ai envie de faire maintenant, parce que j'ai vu qu'il y a dans le placard, mon chéri. Tu viens de me voir, rien dire, rien faire et avoir un sourire niais de ouf en mode c'est trop bien. C'est trop bien. On veut dire qu'est-ce que t'as pris ouais, avant, grave, quoi. Ouais, grave, j'étais en mode yes, allez. Non, non, qu'est-ce. Bah voilà. Alors. Oh là. Alors, là regarde, je récupère de la cuisson ici, tu vois. Exactement. On a toutes les parures, on a eu les morceaux de tomates, on a eu des trucs comme ça, d'accord. C'est que je vais faire là. J'avais vu que dans le placard, tu avais des champignons séchés, un truc comme ouais. ça, non. Tu peux me les choper, s'il te plaît. Bien sûr. Alors, déjà ici, j'ai l'eau qui boue et j'avais vu qu'en plus, tu avais acheté des pâtes là. C'est bien sûr. Parce qu'en fait... Tu m'avais dit, pour les carbonara, il faut des pâtes sèches. Voilà, tu as fait en sorte de tout me donner à disposition. Bien sûr. Je kiffe. Donc là, regardez. T'en veux combien de... Ah, t'en mets 4 ou 5 là-dedans, là. Ok. Voilà. Je les amène. Celui-là. Parfait. Tac, regarde. Voilà. Tu mets dedans. Parfait. J'arrive, chef. Donc là, j'ai récupéré. On a tac, tac, ça c'est parfait. Vas-y. Donc là, j'ai récupéré, en fait, l'eau de cuisson, les bouillons, les morilles. Est-ce que t'as d'autres champignons séchés, un truc comme ça? Je sais pas qu'est-ce que t'as encore, non? J'ai des champignons, champignons noirs. C'est bien ça, mets ouais, ça dedans. Ça fait l'affaire.
Et ça, tu vois, on va faire un petit soupe, un petit bol. Est-ce que tu peux hivernal. Est-ce que tu peux faire quelque chose? C'est-à-dire? Est-ce que tu peux l'ouvrir? Oui, pourquoi? Je vais t'expliquer, vas-y, fais-le. C'est dangereux? Non, vas-y, je te laisse ouvrir. Ok. Alors, je fais attention quand même à mes spaghettis qui sont en train de cuire parce que là, on va faire la carbo. C'est bon, non? Ah, j'en ai sur le visage? Non, tout va bien? Vas-y, ouvre. Voilà, c'est parfait, merci. Donc ça, c'est pour les gens à qui on est en train de voler des champignons, parce qu'ils sont pas à moi. C'est pas moi qui ai ouvert le sachet, c'est lui. Enfoiré. Alors, donc là, je mets des champignons dedans. Okay. Voilà, parfait. Ils vont se réhydrater avec les bouillons, ils vont donner du goût aussi au bouillon, c'est ça que j'aime. Bah oui. Si vous voulez faire un bouillon typiquement végétarien, mais avec un petit peu de côté carné, un côté un peu viande, tout ça, vous mettez des shiitakes, champignons noirs, tout ça, ça va vraiment corser votre bouillon, ça va être assez chouette. Alors, mon chéri, il nous reste 15 minutes de temps pour faire encore la carbonara. 2-3 recettes. 2-3 recettes. Mais pourquoi? Mais moi, je suis d'accord. Non? Bien sûr. Ok. Donc, j'avais vu que tu avais une mandoline quelque part, je crois bien. Mandoline, tu avais une mandoline japonaise? Ouais, possible. Oui, je la cherche. Alors, mandoline japonaise. J'ai ça. Parfait. Il y a aussi, regarde. Non, une vraie mandoline. Voilà, t'es sûr que tu l'as vue? Si. Non, il n'y a pas? Je sais pas. Si, arrête, il y en a. Là. Tu m'as sorti un bas mix tout à l'heure. Non? Non, je te jure. Je suis pas sûr d'avoir une mandoline. Hein. Ok, c'est pas grave. Faut que tu saches que moi j'emprunte la cuisine le vendredi, je suis pas chez moi. Hein. Mais tiens, ça c'est quoi ça? Ah ben oui, mais. Non, mais ok, il l'a vu. Oui, la boîte, oui. Elle est Képlan et tout. Okay, oui, bien sûr. Alors regarde, là on va faire quelques petits copeaux comme ça, juste pour les fans, pour kiffer à la maison, tu vois. Grave. Regardez, il y va, voilà. Ça c'est la Top Chef. Les gens, quand vous sortez la mandoline, ils ont peur, les gars. Tu vois la panique dans les yeux. Grave. Alors regardez, là c'est les bouillons avec toutes les parures, t'es d'accord avec moi? Bien sûr. On a mis quelques champignons, t'es d'accord avec moi? Bien sûr. Parfait. Là maintenant, regarde. Plus fin ou pas? Plus épais, ça va? Là, c'est les mal tagliati que je mets dedans. Donc les pâtes mal coupées. Voilà. On fait bouillir une petite minute avec les mal tagliati. Et ça, c'est une petite pâte aux champignons qu'on est en train de faire, regarde. Comme ça, on récupère. De toute façon, il y a des garçons derrière qui. On peut faire ça pendant des heures, les gars, ça n'a aucun sens. Hein. Si, mais c'est bien. Je continue. Tu en mets un petit peu au fond de l'assiette. C'est bien, cher. Accru. Et après, tu as choisi des jolis comme ça, tu vois, des plus jolis comme ça. Les plus jolis coupés, tu les choisis. Les moches, tu les mets au fond de l'assiette. Et les jolis, tu les mets de côté. D'accord, chef. Voilà. C'est bon? C'est bon, enfin pas plus. Du coup, maintenant, je répartis les plus beaux que tu as séparés. Voilà. Très bien, on les garde pour le dressage tout à l'heure. C'est ça. Alors, maintenant, c'est que tu vas faire, s'il te plaît. Moi. Tu vas me mettre là-dedans un œuf entier et 2 jaunes d'œufs. Chef. Ça, on débarrasse. Parfait. Et pendant que tu fais ça, je vais dresser la petite soupe là, ici toujours. La petite soupe qu'on va poser toujours sur un petit morceau de papier, sinon on va brûler le plan de travail. Hein. On est d'accord? Bien sûr. Regardez, tac, voilà. Donc j'avais une jolie louche ici. La louche, je vais la lancer dans mon eau de cuisson, c'est magnifique. J'aime bien travailler comme ça. Je sais pas pourquoi. Et bien sûr. Alors là, tu sais quoi encore mieux? Non, c'est bien. Regarde, là on a les champignons réhydratés. Ouais. Regarde-moi ça. Tac, on va venir... Avec le petit bouillon qui va bien? Mais bien sûr. Deux jaunes. Bien sûr, regarde, avec les champignons qui sont réhydratés, les pâtes aussi qui ont réhydraté, regarde-moi ça là. Là, je vais mettre un peu plus de bouillon. Regarde la couleur du bouillon, comme il est beau. C'est sublime. Oh. Ça, c'est trop bien. Et même pour l'hiver, là, parce qu'on rentre à l'hiver, on a besoin, en fait. Et donc, les jolis copeaux. C'est juste pour la petite déco aussi. La déco, la couleur, un peu de, ouais, un peu de douceur aussi. Un peu d'amour aussi dessus. Alors, moi, j'aime bien mettre les grana padano râpés là aussi, mais pas tout de suite, en fait. J'aime bien à table, après, quand on le déguste. Par contre, ce que je kiffe mettre dessus, c'est l'huile d'olive. Parce que quand tu mets les gouttes d'huile d'olive dans le bouillon comme ça, tu vois, penche, exactement. Et ça reste à la surface. Et ça fait joli, quoi. Et à la dégustation, c'est beau. Et là, pareil, vous pouvez enrichir les bouillons avec quelques petites feuilles, toujours basilic, persil, coriandre, tu vois. Là, il nous a fait un bouillon italien. Voilà, nous on est fort pour les minestrones et tout ça. Donc voilà, là c'est notre plat. Tiens mon chéri. Je l'ai mis là-haut, mais... Vas-y. Tourette. Je le mets sur la tourette, si tu veux. Bien sûr. Ok. Donc, maintenant. Ce que tu vas faire. Les gars, il nous reste exactement... Bah là, on a... Là maintenant, pour, on peut un peu plus, on peut jusqu'à 22h20, tranquille. Ok, tranquille. Calme. Là, je leur donne des coups. Là, tu mets. Pourquoi? Donc, si on a le temps, là, on peut quand même déguster un petit peu. Ah oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut boire aussi ou pas? Bien sûr. T'es sûr? Bien sûr. Je peux ouvrir une bouteille? Tu peux ouvrir une bouteille. Ok.
Ok. Vous me confirmez en régie, c'est ok ? D'ouvrir une bouteille ? Ah oui, oui, bien sûr. Merci. Alors, on m'a dit, tu vas voir Thibaut, moi j'ai dit, ça c'est fait. Allez. Parce que, et pour autant, j'ai fait attention, j'ai bois une fois par semaine au moins. Ouais. Mais tu vois là, on s'est fait un petit coupe toi et moi. Voilà. Et je te laisse râper les grains à l'intérieur de ça. Bien sûr, vas-y, je te laisse nous servir. Oui, bien sûr, chef. Donc voilà, un petit champagne rosé de chez Laurent Perrier, là, que j'adore. Ça, c'est... Autant vous dire qu'on va se mettre bien. On va se mettre bien, ouais, on va se mettre bien. Bien entendu, hein, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, vous buvez avec modération. Pourquoi, à notre époque, on ne nous le disait pas, tout ça ? Bah, je saurais pas te dire. C'est pour ça qu'on est comme ça, aujourd'hui. Je sais pas. Mais après, nous, légalement, je t'avoue, c'est mieux si on le dit. Ah, ok, d'accord. Ouais. Tiens, chin. Merci de m'avoir invité, moi, chérie. Merci à toi d'être venu, franchement, quel plaisir. Ragazzi, merci, chin à vous. Ah, c'est j'avoue, magnifique là. J'avoue, ouais, ça fait du bien. En plus, t'as transpiré, tu sais que. Non ? Ici, à fond. Là, t'es content là. Alors, je vais juste lancer un petit peu ma petite poêle là. Là, vous êtes à quelques minutes, les amis, de voir comment on fait un fabuleux. Une fabuleuse carbonara. Des fabuleuses, carrément. Ah oui, il faut, hein, faut le dire au moins. Alors là, c'est vrai qu'on a aussi une belle assiette ici, tiens, qu'on va utiliser pour le dressage. Non. Oh, t'inquiète, même s'il y a des morceaux. Alors, regardez, tac. Là, j'ai ma petite casserole dans laquelle je cuis aussi les autres pâtes. Donc là, je vais chauffer un petit peu. Je vais voir la cuisson, là, comme on est. Là, pareil, attention, parce que c'est quand même assez chaud, là. Mais bon, moi, j'aime bien... Pas mal. 5 ans al dente, vu que je sais que tu vas les manger. Alors, un petit fouet. T'as un fouet avec toi ? Ouais, il doit être dans l'évier, faut juste le rincer. Ok. Il est là. On va se régaler avec tous ces pâtes, les tiramisu, les nanani. Nanana. En régie, vous avez faim ou pas ? Oui. J'espère. Alors là. Ah, trop bien, ça fait plaisir, je te laisse, les amis. Poivrer tout ça. Cacio et pépé. Oh, si, tu peux, mais sans les œufs. Sans les œufs. Cacio et pépé, c'est sans les œufs. C'est juste le fromage et le poivre. Voilà. Mais c'est qui est meilleur, c'est les meilleurs, c'est ça. Hein. Ça c'est... Ah, ouais, oui, ah, oui. Tiens. J'arrive. Tiens, mon chéri. Merci. Voilà. Hein ? C'est crispy. Oh là là. C'est aussi salé. Ah, oui. Mais c'est pour ça qu'on ne va pas saler la sauce. Tu vois, on va trouver l'équilibre comme ça. Alors. Je mets ça ici. Là, tu as les... Je sais pas si j'irai pas plus vite à enlever les grains et à les concasser moi-même. Mais... Si, si, c'est possible, tu peux le faire si tu veux. Donc là, j'égoutte les pâtes. À la maison, les amis, n'ayez jamais rincé les pâtes. Ça, c'est une autre règle à respecter. Bien sûr. Comme la règle 1-10-100. Si vous rincez les pâtes, en fait, vous levez l'amidon. Et c'est ça, en fait, le qui va vous donner les liants sous la sauce. Tout le monde croit qu'on met de la crème dans les carbonara. Non. C'est en liant cette préparation-là, les pâtes et l'eau des pâtes. Il va y avoir un côté crémeux. Exactement. Pas de crème. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on a l'eau des pâtes. Il y a les notre bouillon avec nos pelures, avec tout ça. Voilà. Je fouette ça, j'incorpore. Tu fouettes tout comme il faut. C'est ça qui est important. Et ce qu'on va faire aussi pendant que tu fouettes tout ça, déjà, je vais mettre à l'arrêt l'induction. Là, je vais mettre à 4. Je vais récupérer toujours ma petite louche magique. L'eau des cuissons, là, elle est riche en amidon parce qu'on a cuit les pâtes fraîches. Ouais. Je vais venir en mettre une petite louche dedans, comme ça va pasteuriser les jaunes d'œufs et fondre le fromage. Il est là, c'est bon ? Ouais, je pense. Magnifique. Et là, pareil, je vais mettre une petite louche là. Comme ça, les gars, on va commencer. Vous avez vu ce geste ? Attends. Continue et tu peux te mettre sur lui ? Voilà. Oh là là. Et là, il fait voyager toutes les saveurs. Tout ça, c'est un voyage dans les pâtes. On mélange tout. Alors, ça parfait. Va ou pas, ou plus encore bien. Non, c'est très bien. Donc là, j'ai augmenté un petit peu la température, tu vois, de la casserole. Et je vais mettre les jaunes d'œufs, les grana padano râpé. Normalement, il y a aussi du pecorino dans la recette, mais là, on ne l'avait pas, c'est pas grave. C'est la version romaine, ça. Exactement. Là, on le met dans notre appareil ici. Et on fait très attention à bien mélanger. Parce que si on ne mélange pas assez... Ça fait une omelette ? Ça fait une omelette. Et donc, c'est là aussi où on intègre, tu vois. Avec ces gestes de l'air à l'intérieur. Tu peux le faire un tout petit peu. Attends, tu peux avancer un tout petit peu toi ? Comme ça ? Voilà. Ils vont cadrer.
vois. Toi, bouge plus. Tu l'entends, ce bruit? J'entends ce bruit. Ça, c'est la vie, ça, tu vois. Ah oui. Ça, c'est la vraie vie. Alors, là, maintenant, je mets des dents. Le bruit est un peu, je le dis. Vas-y. Un petit peu des guanciale crispy qu'on va mélanger. D'accord. Je vais ajouter un petit peu de cuisson pour détendre la sauce, pour que ce soit un peu plus fluide. Ok. Et là, je les commence. Tu vois, là, c'est comme une crème anglaise. Tu vois la sauce comme elle est? Elle est parfaite. Pourquoi tu rigoles? Tu te fous de ma gueule? T'entends la musique ou pas? Ah oui, d'accord. Elle est sexy, la musique. Ah oui, d'accord. Vous pensez tout de suite. Tu l'as entendu le son ou pas? J'ai entendu le son. Je l'ai entendu le son. Donc, regarde, j'augmente un petit peu la température, comme ça, exprès. Je rigole parce que je m'éclate en fait. Mais non, mais moi aussi, mais t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Ah, j'adore. Moi aussi, j'adore rigoler comme ça. Franchement, c'est détente, c'est bon. Alors, les gars. Tu prends la pince. Et là, les gars, ça, tu sais quoi ce qu'on fait là? On l'a fait à l'italienne, comme chez nous, les gars. Tac. Tu viens, et là, ça respire la générosité, mon chéri. À fond. Et pareil, on finit avec nos guanciale crispy dessus. Et où la microplane, mon chéri? Je l'ai mise de là. Et un rap dessus. Un peu partout comme ça. Et voilà. Et on a une autre pâte, quoi. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? C'est magnifique. Heureusement que tu dis ça. Ah non, mais je le pense, hein. Je pense, hein. C'est-à-dire que ceux qui me connaissent, ils savent que... C'est parfait. Voilà. Du poivre encore dessus. Voilà. Elle est jolie, cette assiette. Regarde-moi ça, là. Et poivre, les gars, les amis à la maison, ragazzi, allez-y, hein, mettez du poivre, du poivre. Carbonara, ça vient vraiment du mot charbon. Donc on dirait plus que la pâte est couverte de charbon. C'est pas beau ça. Oh. Parfait. Attends deux secondes, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Je pars mon iPhone. S'il te plaît, le 13. Ouais, c'est trop beau, mais la télé, ça rend trop bien quoi. Vu ça? En fait, c'est pour ça qu'on est bon, parce que la télé, ça rend mieux qu'en vrai. Non? Merci. Ah bah non, je pense qu'en vrai, c'est magnifique. Alors. Il faut qu'on goûte aussi. Hein. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, je trouve qu'on a encore du temps, on peut faire encore une recette, on est d'accord? Oui, carrément. Carrément. Est-ce qu'on a... Si, c'est vrai ou pas? Ah oui, oui. Oui, vas-y. Ok. Ils ont faim, les gars. J'adore quand on me dit oui. Et ok. J'ai vu qu'il y avait du... Bon, on dira pas non. Ah ouais, parfait. Alors, j'ai vu qu'il y avait du beurre, et qu'il y avait de l'ail. Et l'ail aussi... Alors, je le mets sur la tournette, les amis. Ça y est, j'ai perdu Thibaut parce qu'il est concentré sur la carbonara. Non, je suis avec toi, de l'ail et tout. Tout va bien. Alors attends. On est à combien de plats là? Voilà. C'est bien. Là, les assiettes, ça n'arrête pas. Parce que là. Attention, choisissez les gars, parce que je vous le dis, hein. Voilà, non mais parce que si ça partage pas, les assiettes, attention, hein. Ah, parce qu'ils partagent pas là? Bah, si, ils partagent. Ah, si, ils partagent. Vous imaginez, est-ce que vous à la maison vous partagerez tout ça? C'est bon, vous en avez? Ah, ouais. Ok. Alors, là, qu'est-ce qui nous reste sur la table? La pauvre pâte reste toute seule comme la ça. La tagliatelle. Vous avez vu le storytelling du mec? Il l'avait prévu. Et non, pas du tout. Pas du tout prévu. Par contre, un petit torchon mouillé comme ça, on donne un petit coup propre. On finira avec les plans de travail hyper clean et hyper propre. Là, il me reste encore un peu de cuisson dans laquelle on va cuire nos pâtes. La sauce tomate ici, elle est magique. C'est dommage, ça, je vais l'amener à la maison après. Hein. Ah oui? Donc ici, j'ai du beurre au sel des mers. Déjà, ça sent trop bon. Alors, c'est beurre au sel des mers, au sans sel, les gars. Même du beurre doux, c'est très bien. Déjà, j'aime pas trop cuisiner au beurre, mais il y a des recettes qu'on fait dans le nord d'Italie, dans le Piémont, en Lombardie, en Vénétie, où on utilise du beurre et de la crème. Pourquoi tu dis que celle qu'il y en a moi, c'est la mienne? Parce que moi, je bois pas d'alcool normalement, donc j'en ai bu très peu. Ah oui, d'accord, t'es comme ça, toi. Non, mais c'est ça, non? Ou c'est moi? Ok. C'est ton beurre, d'accord. C'est ça, je l'amène à la casserole. Vas-y. Là, il y a une gousse d'ail en chemise. Donc, en chemise, c'est-à-dire qu'avec sa peau, d'accord? La gousse d'ail avec sa peau. Je la mets sur le pan de travail et. What the? On l'écrase et on la met dans le beurre, d'accord? Là, il a été oblitéré, là. Exactement. Ça, tu le mets au frigo, s'il te plaît. Chef. Et à l'intérieur de ce beurre qui va devenir noisette, qu'est-ce qu'on va mettre? Encore une tige de basilic, Thibaut. Bien sûr. Et les basilic, c'est le bouquet des fleurs préférées des Italiens et des Italiennes aussi. Hein.
Moi, la première fois que j'ai offert un bouquet de fleurs à ma femme, c'était un bouquet de basilic. C'est vrai ? Ouais. C'est un très beau et bouquet. Elle a kiffé, elle m'a regardé, s'est mis à pleurer. C'est vrai ? Je sais pas si c'est mis à pleurer par la désespération. Oh mon Dieu ! Regarde voilà. Ça comme c'est beau ce que tu fais là. Exactement. Là, là j'ai et mis là, il se prend même pas la tête. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui seraient en train de se dire « Oh, mais cette tige et tout !» Ils s'en foutent. S'en foutent, mais exactement, parce que c'est comme ça, l'Italie, c'est la simplicité. C'est le produit, c'est les bonnes choses. Faut pas se prendre la tête « Ah, mais si, mais non, machin et tout le bordel. » Non, non, pas du tout. Là, c'est vraiment comme ça. Donc là, j'attends que mon petit beurre devienne noisette. Est-ce qu'on a encore la microplane avec les grana padano dessus ? Bien sûr. Comme ça, on va l'utiliser encore une fois. Et oui, en Italie, on utilise beaucoup de fromages râpés. Ça peut être du grana padano, ça peut être du parmesan, ça peut être de la... C'est quoi la différence entre le grana padano et le parmesan ? Ça, c'est une putain de question. Ah. Alors, c'est pourquoi ? Parce que les gens dans les supermarchés, des fois, ils achètent du grana padano et ils croient que c'est du parmesan moins cher. C'est pas juste pas le même produit, en fait. C'est comme dire, vous préférez les bruns ou les blonds, ou les blondes ou les brunes, tu vois. C'est la même chose au niveau, c'est un fromage à pâte dure, c'est la région qui change. Grana Padano, c'est Piémont, Lombardie, vers Vénétie. Okay. Les Parmigiano Reggiano, c'est qu'Emilia-Romagne. Alors regarde, ici on a. Ça sent très bien, bon, ça bien chantonne. Bien sentir l'amour qu'on met dedans là. Ça, c'est les beurres qui commencent à devenir noisettes avec l'aide de l'ail et du basilic. Exactement. Ça crépite, c'est trop bon. Ici, j'ai mes pâtes qui commencent à bien cuire. Je les mets au taquet. Et là, on va dresser là-dedans. Il y avait une pince tout à l'heure qui est là. On a fait un bordel derrière, il faut que pas grave, ne t'inquiète pas. Alors regarde, noisette, pourquoi beurre noisette ? Parce que les beurres, il prend la couleur de la noisette et il chante. Et voilà, et jusqu'à ce qu'il continue de chanter ou vous... Et après, ça s'arrête bien au moment. Mais il faut pas qu'il brûle, tu vois. Exactement. Regarde la couleur là. Donc là, je le mets de côté. Donc ici, maintenant, je vais récupérer mes tagliatelles. Tac, je les mets dans le bol. On dirait presque des nouilles chinoises. Ouais, vraiment. Bah, fondamentalement, il y a pour certaines nouilles asiatiques, c'est la même composition. C'est hein. Ça. C'est sans l'huile d'olive, mais je veux dire. C'est ça. Donc tu peux râper dessus maintenant les grana padano râpés. D'accord. Voilà, là j'ai mis à zéro. Là tu râpes avec beaucoup de générosité. Ça, je sais pas quand je le mange. Bien sûr, faut que tu vérifies la qualité. Hein. Tout le temps. À base, hein. Et en fait. Ça, c'est une pâte qu'on mange beaucoup en hiver. On fait soit les raviolis, soit les tagliatelles comme ça. On râpe ces grana padano dessus, parfait. Regarde maintenant. Les beurres bien chauds, écoute bien. Oh là là. Écoute, hein. Tu vois. Ah ouais. Ah là là. Ça frit et ça fond, en fait. Ça fait frire ça et frit. Fondre en même temps les le fromages. Fromage. Et ça, c'est une pâte vraiment très classique. Et c'est la pâte du pauvre, un peu. Simple, simple et magique. Et efficace. Alors, il nous reste à dresser... C'est beau. Oh là là. Il nous reste à dresser maintenant le tiramisu. Le tiramisu. Ok. Alors, je vais chercher le tiramisu qui est au frigo. Alors là, en régie, vous venez aussi prendre un peu de la carbo, hein ? Oui. Ok, là, si tu peux récupérer juste une jolie assiette blanche normale. Bien sûr, blanche normale. Classique. Une belle assiette de... comme il faut. Et normalement, nous, ça, on le sert avec... tu sais, on a les grosses cuillères à la maison, les belles cuillères généreuses. Attends, ouais. On va voir s'il y en a une ici. Comme ça, on peut dresser ces jolies... Même à la louche, sinon, on peut le faire, non ? Qu'est-ce que t'en dis, toi ? Bien sûr, mais t'en as pas là-dedans ? Ah, si, si, j'ai une cuillère. Voilà. Alors, les gars, c'est ça qui est beau. Toi, une cuillère Tefal aussi. Bien sûr. Et l'assiette, t'as choisi la plus belle assiette. Bah, j'ai fait ce que j'ai pu, chef. Non, non, mais je rigole pas, c'est la plus belle assiette. Et donc là, tout simplement, nous, au restaurant, par exemple, on vient avec les plateaux ah, et d'accord. On te sert comme ça. Ah, génial. Et oui, parce que si à Thibault, on met du cuillère, ouais. S'il y a mayonnaise, on en met une seule. Ouais. Là, c'est... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais. C'est par rapport au mérite. Bien sûr, le mérite. Moi, ouais. J'adore. Donc, regarde. Tac. La douceur de cette chose. Tu vois ou pas ? Oh là là. Tac, et là. Ah, il y a du monde qui arrive déjà, tu vois. Voilà, tu vois. C'est beau. C'est pas beau, ça. C'est simple, c'est magique. Simple, efficace. C'est sublime. et c'est pas fait exprès. Hein. Là, tu prends une photo, regarde, comme ah, ça, avec la cuillère sale, là. On fait un livre et on fait les tiramisu. On y va. Les tiramisu de la maman. Toujours à partager, c'est ça qui est bien. Voilà. Voilà, mon chéri. Moi, je pense que j'ai mérité mon petit morceau des grana padano à manger avec une petite coupette de champagne, c'est bon. Bien sûr. Oh. Alors les amis, vous avez vu tout ce qu'on a appris là ? Vous avez vu tout ce qu'on a appris ?
farfalle, les tagliatelles. Attends, je me rappelle même plus de combien de plats on a fait en fait. 5 au total. 5 assiettes différentes. Ah bon? Ouais. Des farfalles. 6 avec le dessert. Des farfalles. Et on a une là, je crois. 6 assiettes. 6 assiettes. En 2 heures. Il faut que tu saches que c'est un record dans cette émission. Ah bon? Ouais, on n'en fait jamais autant. Ah bon? Non. Non. Parce qu'en général, on fait les cons, on discute. Moi, j'essaye de faire en sorte que il y ait au moins un truc à présenter. Merci. Et voilà. Là, vous, franchement, une pâte, 5 recettes, les amis. Je ne sais pas comment vous dire. Me fait pas mal. Et encore, c'est 22h20. Franchement, on aurait même pu faire... On aurait pu faire... Eh, hey, laissez-nous quelque chose. Hein. Ouais. Alors, dans quoi on peut tremper les biscuits si on n'aime pas le café? Ça, c'est des questions chiantes, ça. C'est pas fait? Vas-y, non, vas-y, vas-y, dis-moi. Qui a posé la question, là? Je crois que c'est Noémie. Noémie, je veux que Noémie gagne les livres tout à l'heure. C'est possible ou pas? Parce que ça, c'est une putain de question. Alors, Noémie, c'est génial. C'est vrai? Mais non. Ouais. Mais tu vois, sans les faire exprès. J'adore. Ça s'appelle les talents. Alors, Noémie, si tu n'aimes pas le café, tu fais un thé. Tu fais une tisane. Donc, l'été... Par contre, sans sucre, tu peux faire, par exemple, tu fais un tiramisu aux fruits rouges, tu fais une tisane ou un thé aux fruits rouges. Tu fais un tiramisu un peu exotique, genre avec de la mangue ou de l'ananas. Tu fais un thé ou une tisane avec de la citronnelle, du gingembre, voilà. Et tu imbibes tes biscuits dans ton thé, dans ta tisane, tout simplement. Ça a marché pareil avec le cacao, pareil avec la crème mascarpone. La crème est la même, parce que la crème, on ne l'a pas aromatisée. La crème, on a fait une crème blanche. Voilà. Alors, il y a certaines régions en Italie où on peut mettre aussi de l'alcool, de l'amaretto, Marsala, du Marsala ou d'autres liqueurs. Moi, je préfère l'avoir blanche, comme ça, neutre. Comme ça, tu sens la martume du café, tu sens les textures. Je la préfère beaucoup plus comme ça. Et encore, tu vois, la crème, elle tient bien déjà. Là, elle se tient bien, en vrai. Je pense qu'on a bien bossé. Ouais. Ça, vous le voyez et tout, quoi. Hein. Ouais, franchement, tu le vois bien. Il faut la mettre sur la tourette, attends. Vas-y, vas-y, vas-y. On met le plateau sur la tourette, non? Vas-y, oui, oui, vas-y, oui, c'est bien ça. Est-ce que vous pouvez me confirmer en régie que le Xari est pas loin? Ça m'embêtera pas de franchir la porte. Xari, c'est le roi ici, c'est l'un des membres les plus importants de cette chaîne. Et il est sur un autre plateau en train de travailler sur une autre mission, mais je crois qu'il adore le tiramisu. Oh. Donc peut-être qu'on va lui en amener, peut-être. On va y amener la gamelle. Alors, je voudrais poser une question à Denis. Quelle est la recette qui t'a marqué à Top Chef? La recette que j'ai faite, qui m'a marqué. Celle que t'as faite ou celle que t'as vécue? Peut-être que t'as dégusté une assiette d'un chef. Qu'est-ce qui t'a la recette qui t'a le plus marqué à Top Chef? Alors, ton expérience Top Chef. C'était en fait, il y avait une épreuve des gens face à piège dans le théâtre. Oui. Dans une battle. Et piège nous dit avec un légume, vous devez faire un dessert en 15 minutes. Mais quand je te dis, tu sais, on dit toujours, ah, mais de toute façon, les temps, c'est pas vrai. Si, si, les temps, il est vrai, les gars. Si on arrive à faire aujourd'hui 6 recettes en 2 heures, c'est parce qu'on a eu l'habitude de faire un dessert en 15 minutes. Ouais, ouais. Si vous divisez, si vous divisez les 6 recettes sur 2 heures, ça fait presque 15 minutes par recette. Hein. Ouais. Même. Oui, normalement, c'est à peu près, c'est ça. Je suis à peu près, 20 minutes, tiens. Et là, on nous donne un céleri. Et j'ai dû faire un céleri rave, un dessert. Et c'était, tu sais, quand t'es dos au mur, parfois. Je ne sais pas pourquoi, mais ton corps donne des solutions. Bien sûr. Sans que tu fasses rien. Et en fait, c'est presque mieux être dos au mur parfois. Pour créer. Ça vient tout seul. Ouais. Non, mais ça vient tout seul. Qu'est-ce que tu avais fait? Alors, parce que le céleri, c'est vrai que c'est un goût particulier, mais il y a du sucre un peu aussi dedans. C'est ça. Et ça dépend comment tu le confies et tout. Mais effectivement, donc j'ai travaillé les céleri en plusieurs façons. Les céleri rave, je les confie dans un sirop de sucre. OK. L'autre, je les rôtis dans un caramel. Et après, j'ai fait une extraction du jus de céleri. Et donc, j'ai présenté céleri en 3 façons différentes. Travailler qui vont bien ensemble et c'était super. Ça, c'est un truc. Est-ce qu'il y a des recettes? Mais ça m'a marqué pas par rapport à la recette. Ça t'a marqué parce que t'as réussi dos au mur en mode survie à sortir quelque chose. C'est les modes survie que j'ai kiffé en fait. C'est ça. Tout de suite, ton cerveau, il a tout de suite rassemblé le savoir-faire et la technique. Et avec les produits que t'avais devant toi. Quelle recette t'as fait est-ce que de Top Chef, t'as fait une recette que tu t'es dit. Ça, je vais passer ma vie à la travailler pour qu'elle soit encore meilleure, encore meilleure, encore meilleure. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as amené de Top Chef dans tes restaurants aujourd'hui qu'on retrouve en pas fait, un plat signature, si, mais si, un. En fait, je me suis rendu compte que quand j'ai fait Top Chef à l'époque, tu sais, quand tu es jeune, tu as toujours envie d'impressionner les autres. Et donc, forcément, tu travailles peu pour toi, mais beaucoup pour les autres. Oui.
Et c'est là où tu fais plein de techniques, plein de trucs de ouf. Mais peut-être les gens, c'est même pas ça qu'ils veulent laisser voir à la maison. Et là, un jour, j'ai fait un plat de pâtes et je me suis rendu compte que les pâtes sont quand même très aimées par les Français. Et que par un Italien comme moi de l'autre côté, ils cherchaient ça en fait. Ils voulaient pas autre chose. Non, ils voulaient que tu sortes. Italien, tu fais d'Italien. Ouais, ouais. Tu vas pas faire du japonais, du français quoi. Et donc, c'est ça que j'ai compris. Et c'est ça que j'ai commencé à amener à faire très bien chez nous avec les équipes qu'on a. Et j'ai dit merci aux équipes qu'on a aujourd'hui parce que ça fait 6 ans, 7 ans qu'ils sont avec moi. Ça fait longtemps et c'est grâce à eux que je peux être ici avec vous. Donc c'est ça qui est important. Putain, ça, c'est... Je trouve ça super chouette. On a la même mécanique sur Twitch. On remercie. C'est pour ça qu'on a une pensée, bien sûr, à notre régie, sans qui cette émission n'arriverait pas jusqu'à vos yeux. Ciao, voilà. Siri. Alors, justement, tiens, du coup, le chef italien, il en pense quoi ? Ah, c'est une question. Vous pensez que c'est compliqué, mais je suis pas sûr. Qu'est-ce que tu penses des tiramisu revisités avec des trucs comme les pâtes à tartiner à la noisette ? Tu peux dire la marque. Hein. Je Moi, peux je... le dire, mais il y en a d'autres en fait. Je dis Nutella, mais j'ai pas envie que les gars se disent. Il y a pas que la Nutella, donc c'est pour ça que je dis. En fait, moi j'ai grandi avec ça. La Nutella. Oui, quand je sais, vous pouvez entendre parler des certains produits qui sont pas bons parce qu'ils respectent pas ça, pas ouais. ça machin. J'ai grandi avec la Nutella, et quand tu grandis avec quelque chose qui soit bonne ou mauvaise, tu l'affectionnes. Bien sûr. Moi l'après-midi, ma mère me faisait les pain et Nutella, c'est comme ça. Ouais. Et donc si vous me faites un tiramisu avec, je viens chez vous manger, je suis hyper heureux. Je dis pas le contraire, je vais pas dire non, je le mange pas parce que pas du tout. Je suis très ouvert là-dessus. Mais tu travailles. J'écoute tout. L'idée, c'est que moi, au restaurant, je ne travaille pas. Voilà, c'est ça. Au restaurant, mais on fait notre pâte Nutella où tu fais ta, voilà, tu fais ta pâte à tartiner. Comment tu dis, Gianduja. Gianduja. En fait, c'est un praliné. C'est pas Gianduja comme vous entendez au meilleur pâtissier. Si tu peux. Non, Gianduja. Non. Gianduja, la Gianduja. Voilà. La pizza et pas la pizza. La pizza. C'est la pizza. Voilà. C'est fluide. Tu maîtrises bien la pizza. Oui, on met la pizza. Tu maîtrises bien. On peut faire la pizza la prochaine fois. Voilà, c'était là où je voulais en venir. Parce que j'ai un four à pizza. Où ? Il est pas là, il est en régie, mais j'ai un four uni. C'est okay, les petits fours qui vont bien. Mais on peut le faire. C'est noté. On peut le faire. On peut le faire. Donc non, toi t'as pas de souci avec ça. Tu fais quand même ta gianduja. Donc vraiment, t'as pas ta tartinée à la noisette maison. Oui. Tu sais que j'ai fait une interview de Cyril Lignac une fois. Oui. Et moi j'adore la pâte à tartiner de Cyril Lignac, celle que j'ai achetée à la chocolaterie, elle est magnifique. Extraordinaire. Et ben lui il préfère la Nutella. Oui, mais oui. Lui dit lui-même, il dit quand j'en fais à la maison, j'ai pas des pots de ma pâte à moi dans mes placards, parfois il y a du Nutella. Le problème c'est que c'est non plus pas le même prix, tu vois. Oui, bien sûr. C'est un produit. Alors, ouais, ouais, ça, quand je vous parle de la pâte à tartiner de la chocolaterie, elle est fabuleuse, le pot il est à 20 euros. Hein. Ouais, mais voilà, donc, mais tu vis un truc. Imagine, moi j'ai un pot à la maison. Si je le commence, frère, je le finis. Hein. Ouais, je vois bien. Moi, c'est. Et donc, je commence, je finis. C'est noisette comme ça, noisette du Piémont. Du Piémont, exactement. Voilà. Praliné, cacao. Quand il dit praliné, basiquement, si vous voulez la faire à la maison, regarde, il nous reste 3 minutes. Oui. Si tu veux la faire à la maison, prends les noisettes du Piémont. Tu les fais torréfier ou pas ? Si tu peux les faire torréfier. C'est en fait, mieux. À la maison, moi, je sais pas si on peut dire la marque. Vas-y. J'ai un Thermomix. Ouais. Et avec lesquels bon, c'était la seule marque qu'on pouvait pas dire, mais c'est pas grave, vas-y. Je pensais qu'il avait parlé de noisettes. Merde. Mais c'est pas grave, attends, c'est et bon. Et fait, les chefs cuisiniers travaillent avec ça aussi, vas-y. Et vas-y. Moi, à la maison, j'ai ça. Ouais, ouais. Et je mixe ça avec. Donc en fait, tu mixes par à coup en fait, la noisette. C'est ça. Plusieurs fois, en fait, pour qu'elle sorte son huile. Exactement, t'as tout compris. Et après, t'ajoutes du cacao dedans, t'ajoutes aussi. Parfois, tu peux même acheter déjà du praliné déjà préparé. Sinon, en fait, vous faites un caramel c'est à côté, ça. Vous et versez sur vos noisettes, et ensuite c'est vous avez une plaque. C'est compliqué un peu à faire. Mais attention, mais c'est voilà, bien. C'est tout compliqué au sens où vous pouvez vous brûler. Vous faites avec ça aux noisettes, aux amandes, aux cacahuètes, aux pistaches, tout ça. C'est que vous voulez. Et ensuite, vous mixez ça. Noisette, c'est mieux. Vous mixez ça. Vous avez une poudre qui est le pralin. Exactement. Et ensuite, vous mettez ce pralin dans la pâte de la noisette c'est avec ça. Le cacao c'est ça. Et déjà normalement vous avez quelque déjà chose de magnifique un putain de niveau des pâtes tartinées voilà et facile à faire en vrai après ouais. Ça coûte un petit peu cher, il faut vraiment faut le savoir, si vous voulez pas rajouter de matière grasse, si vous voulez pas rajouter d'huile ou de trucs comme ça, c'est ça en fait, il faut des très bonnes noisettes. Les noisettes du Piémont par exemple, elles contiennent plus de 60% de lipides à l'intérieur d'elles-mêmes. Je elles sont déjà voilà elles sont déjà naturellement très grasses, c'est ce qui fait que quand on les mixe, eh bien voilà, elles rendent déjà beaucoup d'huile naturellement sans qu'on ait besoin d'ajouter autre chose. J'adore ces mots-là. Franchement, merci pour l'ambiance dans l'émission. Bah oui, mais t'as amené une ambiance de fou. Ouais. T'as amené qui, moi ? C'est toi qui as mis l'ambiance ? Ah, on est deux, mais en vrai... T'as donné le temps, t'as donné... Non, mais je vais dire un truc, ça t'as fait... Donné, il faut donner dans la vie, les gars, à la maison. Donner pour avoir. Voilà, ouais. C'est Enrico Macias disait ça. C'est vrai ? Donnez-moi, ouais. Dieu vous le rendra. Mais nous, on donne et on est heureux de donner. Moi, ça me fait super plaisir. Faut que tu saches, ça fait quasiment 2 ans que je fais cette émission. C'est la première fois que je me laisse porter. Est-ce qu'on peut se faire un câlin et crier ? Alors, la régie, et ben, vous baissez les micros. Hein. On se fait un câlin. Et... Tu veux crier, t'as besoin. Hein.
Il a besoin de donner ça. Ça. Voilà, j'ai perdu une épaule. Ça, allez. Ça s'appelle l'excès de l'amour. Voilà, le cosmos. Il offre le cosmos. C'est ça. Voilà. Vous, franchement, j'ai l'impression que vous kiffez dans le chat. C'est un plaisir. Vous pouvez retrouver Denis Ambroisi sur tous ses réseaux sociaux, mais aussi sur Le Feu Officiel, hein, youtube.com/lefeuofficiel. Vous connaissez dans Commis Novice. Vous pouvez retrouver Denis, bien sûr, dans tous ses restaurants. Allez chercher, allez manger, allez à Ida, c'est magnifique. Ce qui fait toute cette cuisine-là que vous retrouvez, peut-être un petit peu plus travaillé à Ida. C'est peut-être un peu plus gastronomique, si. Peut-être. Chez Ida, oui. Chez Epoca, par contre, vous avez la même tradition qu'on a fait ici. Ce qu'on a fait là, vous pourrez le retrouver là-bas. Dans chaque restaurant, vous pouvez trouver votre bonheur et aussi ce que vous allez chercher. La exactement. Gastronomie, la pizza, la cuisine italienne typique et tout ça. Et vous retrouverez le Grana Padano, vous retrouverez le Guanciale, tous ces produits magiques. Vous avez aussi, bien sûr, le livre de Denis, ah, Une table merci. Au soleil. Qui est sorti il y a quelques semaines. Voilà. Merci beaucoup. Vous voulez de la cuisine sur la Méditerranée. Sur la Méditerranée, et pas que italien. Voilà. Bien sûr, si vous voulez un livre qui mêlerait cuisine et histoire, cuisine et l'histoire, c'est cadeau, c'est partout. Les amis, il est venu le moment pour nous de vous dire au revoir. Prenez soin de vous. On se retrouve sur nos chaînes perso quand le stream n'est pas allumé. Bien sûr, vous savez où me trouver. On vous embrasse bien fort. Salut, salut, salut. Merci à la régie. Merci à vous d'avoir été là. On a passé ciao un grand, grand moment. Ciao la gratitude. Ciao.